La semaine dernière, on en était arrivé donc à grosso modo ce qui va être l'aboutissement des caractères typographiques à l'arrivée de l'imprimerie, donc la Gothic Textura. Et les caractères gothiques primitifs sont les caractères les plus aboutis au Moyen Âge, au moment où Gutenberg va inventer l'imprimerie. Alors, quand on dit que Gutenberg a inventé l'imprimerie, c'est vrai pour la civilisation occidentale, c'est vrai pour l'Europe. Par contre, la mécanisation de l'impression existe bien avant ça, en Extrême-Orient. On a par exemple des exemplaires du Yiki, c'est le livre des nombres, hein, le Yiki, qui est imprimé ici. Vous avez une reproduction d'un livre qui est imprimé en Corée en 1377, donc assez longtemps avant que Gutenberg invente l'imprimerie. Et les évolutions technologiques vont être extrêmement marquantes pour l'évolution de la forme des caractères. Alors il y a un truc qui fait que le monde extrême-oriental a été bien plus avancé que l'Europe sur ce point de vue. C'est d'une part, enfin, il y a deux choses en fait. Il y a la mécanisation de l'imprimerie, la mécanisation de l'imprimerie, c'est un peu idiot de dire ça. La mécanisation de la reproduction de l'écrit, qui a eu lieu, ben, vous voyez, au moins au XIVe siècle en Extrême-Orient, voire même avant. On a des traces au XIIe siècle, mais ce n'est pas encore tout à fait certain. Il faut savoir qu'en Chine et en Extrême-Orient en général, on va très rapidement inventer le papier. Alors le papier, ce n'est pas du parchemin, ce n'est pas du papyrus, c'est une substance qui est beaucoup plus pratique. Pourquoi? Ben parce que le parchemin, je ne sais pas si vous savez comment c'est fait, vous savez ce que c'est un parchemin? Non? C'est pas? Comment? Parle plus fort, je n'entends pas. Non? Ouais. Non, c'est du papyrus, ça. Ouais. C'est de la peau d'animal, voilà. En fait, le parchemin, c'est du cuir. C'est du cuir qui est tanné extrêmement fin et sur lequel ben, on va écrire avec de l'encre. Alors le problème du cuir, c'est quoi? C'est que le cuir, c'est de la peau. Alors la peau, c'est imperméable, a priori. Enfin, si vous prenez une peau de bœuf et que vous la tannez très légèrement, elle va être perméable à l'encre, donc vous pourrez écrire à peu près correctement. Par contre, elle est très épaisse et c'est pas pratique. Et plus on tanne le cuir, plus il devient imperméable. Parce qu'en fait, il se compacte. Et donc, il y a beaucoup moins de micro-trous à l'intérieur, donc il devient imperméable. Alors imperméable, c'est bien joli, mais quand on veut écrire avec de l'encre liquide dessus, c'est pas très pratique. Donc le parchemin, c'est un support qui est très délicat à utiliser, et même si on tanne très très fin, ben, ça ne devient pas aussi fin qu'une feuille de papier, donc c'est délicat. Alors le papyrus, effectivement, on a parlé du papyrus surtout en Égypte, où là, la civilisation égyptienne occupe le delta du Nil. Et un delta, c'est une aire qui est inondée. Hein, c'est un fleuve qui se divise en plein de petites ramifications. Et donc, ça va provoquer des marais, etc. Marais, donc roseau. Et le papyrus est une sorte de roseau. Et le papyrus, c'est fort bien. Mais en fait, le papyrus, c'est pas très solide. Parce qu'on va dérouler les tiges de roseau. Et puis, on va aussi les froisser un peu les unes sur les autres, et on va avoir un truc qui tient vaguement ensemble, mais pas tant que ça. Et par ailleurs, c'est un support qui est végétal, effectivement, mais qui n'est pas particulièrement perméable non plus. Et donc, ben, pour écrire à l'encre sur le papyrus, c'est pas simple non plus. Si je vous donne un papyrus, vous allez juste faire des taches. C'est très difficile d'écrire sur du papyrus. Le papier, c'est beaucoup mieux. Alors le papier, en fait, on va l'inventer en Chine, au 12e, 13e siècle, par là. Et le papier, c'est un support qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un support qui est manufacturé. Donc on va partir d'une matière première qui est végétale. On va récupérer dans cette matière végétale je vais y arriver, savez-vous, la cellulose. La cellulose, en fait, est une substance un peu particulière qui entoure les cellules végétales. Il y a une grosse différence de structure entre les cellules végétales et les cellules animales, c'est que les cellules végétales sont rigides. Elles sont rigides à cause de la cellulose qui les entoure. Ça rend les végétaux très résistants. Par exemple, vous, si on vous gèle, après, vous n'êtes plus vivant, ce qui est assez ennuyeux. Un végétal, si on le gèle, ça ne va pas lui faire du bien, mais en même temps, il y a des chances pour qu'il survive au moins en partie. Donc, les végétaux sont beaucoup plus résistants que nous, en particulier à la déshydratation. La cellulose, elle a ceci d'intéressant, que ce sont des fibres.
C'est-à-dire que ce sont des molécules qui sont extrêmement longues. Si vous regardez de la cellulose au microscope, vous allez voir des fils très très longs, tout embrouillés comme ça. Et pour faire du papier, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va broyer des végétaux. On va récupérer la cellulose qui se trouve dans les cellules, parce que si on écrase suffisamment, ben on va détruire les cellules. Et puis ensuite, on va récupérer la cellulose, en faire un tapis. On fait ça dans l'eau. Puis on va le sécher. Et ces feuilles de ces fibres de cellulose agglomérées vont faire un peu ce qu'on ferait avec un feutre, si vous voulez. Si vous avez déjà fait du feutre, ben c'est comme ça qu'on fait. On prend des fibres végétales, enfin des fibres de tissu, on les mélange, on les froisse. Et puis on obtient une espèce de tapis. Avec la cellulose, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus fin. Et la cellulose est intéressante. Pourquoi? Parce que, un, quand on la façonne suffisamment correctement et qu'on la sèche correctement, on obtient un matériau qui est résistant. Le papier, c'est relativement résistant. Ça se déchire, bien sûr, parce que c'est fin. Mais en réalité, si vous prenez une feuille de papier et que vous tirez comme ça, c'est très solide. Alors, c'est résistant. Et c'est suffisamment perméable au liquide que pouvoir écrire correctement et appliquer de l'encre dessus. Donc c'est un super bon matériau pour l'imprimerie. Ce qui explique, si on invente le papier, qu'on invente peu de temps après l'imprimerie. Sauf que on n'imprime pas l'imprimerie avec des caractères mobiles tout de suite. Alors, le Yiki que je vous montre ici, qui date de 1377, c'est un livre qui est imprimé avec des caractères mobiles, donc c'est de la typographie, c'est le même système que Gutenberg. Mais avant ça, on imprimait déjà des planches de livres avec un procédé qu'on appelle la xylographie. Xylos, en grec, c'est le bois. La xylographie, c'est quoi? Ben, c'est tout simple, on prend une planche de bois, on va la graver. Alors c'est un petit peu délicat parce qu'on la grave en relief. Ce qui veut dire que quand vous voulez graver un caractère, vous devez enlever tout ce qu'il y a autour du caractère. Alors si c'est des caractères chinois, c'est un tout petit peu plus compliqué que quand c'est des caractères européens encore. Donc vous imaginez le temps qu'il faut pour graver ça. Alors en gravant, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fabrique un tampon. Vous avez peut-être déjà fait ça quand vous étiez à l'école primaire, hein, faire des tampons avec des patates. On coupe une patate en deux et puis on gratte. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend la patate, poum poum sur l'encre, poum poum sur le papier, et donc on tamponne, on applique de l'encre uniquement là où il y a un relief sur le support. C'est la même chose ici. Alors la xylographie présente plein d'inconvénients. Elle a un gros avantage, c'est qu'une fois que la planche est gravée, on imprime et on peut faire plusieurs exemplaires très rapidement. Donc c'est de l'imprimerie. Par contre, fabriquer la planche, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils ont inventé la torture chinoise, les Chinois, mais ça ne peut pas être loin parce que c'est quand même fort fort compliqué à réaliser. En plus, ça ne pardonne pas les erreurs, puisque si on grave et qu'on se trompe, ben on recommence toute la planche. Donc c'est pas très pratique. Et il y a encore un inconvénient qui est un inconvénient mécanique, c'est que le bois est lui-même perméable à l'encre. C'est pour ça d'ailleurs que quand on tamponne sur un tampon encreur, l'encre reste dans le bois. Mais du coup, si on imprime beaucoup de feuilles, il va y avoir beaucoup d'encre sur le bois. Cette encre, elle va pénétrer dans les fibres et elle va déformer le bois. Donc, en pratique, après 50, 100, 500, 1000 exemplaires, ben, la planche de bois de xylographie, elle n'est plus plate et donc on n'arrive plus à imprimer correctement. Elle se déforme. Donc, ça pose un tas de problèmes. Alors, ce n'est pas un système qui est pratique, donc on va inventer après des caractères mobiles en bois. Comme ce sont des caractères individuels, ben, on peut les remplacer plus facilement, ils sont plus faciles à graver. Et puis petit à petit, on va inventer des caractères mobiles en métal. Alors, je ne sais plus ce que je vous montre ici. Ah oui, on a ça également en Europe, avec des cartes à jouer. Il faut savoir que les cartes à jouer sont parmi les premiers objets qui ont été imprimés en Europe. Pourquoi? Ben, parce que les cartes à jouer, en fait, c'est assez simple à produire. Et donc, on va avoir une impression où on va imprimer le noir en xylographie. Et puis ensuite, on va avoir un calque, donc un pochoir, dans lequel on va, avec lequel on va appliquer les couleurs simplement en coloriant. Alors là, ici, on vous montre la technique de la xylographie. C'est un peu particulier parce qu'il faut un bois qui soit bien sec, qui ne bouge pas, qui soit le plus dur possible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va ancrer le dessin sur le bois. On commence par mettre de la craie au verso.
Ensuite, on applique le dessin sur le morceau de bois et puis on va repasser sur les lignes avec une pointe dure, ce qui fait que la craie, forcément, va adhérer sur le bois. Hein. On reporte le dessin. Donc, voilà le dessin sur le morceau de bois. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va fixer les lignes avec de l'encre. C'est un travail de bénédictin. L'expression travail de bénédictin, ce n'est pas une blague, elle vient de là. Elle vient de la gravure et de l'enluminure, qui sont des travaux extrêmement minutieux. Et puis avec un petit ciseau à bois, on va aller découper autour des lignes. Et donc, vous avez bien compris, le principe, c'est d'arriver à creuser là où il n'y a pas d'encre et de laisser à son relief normal les endroits où il y a de l'encre. Alors ici, évidemment, on le fait en 4 secondes et demie. Vous imaginez bien que dans la vraie vie, ça met beaucoup plus longtemps. Ensuite, on prend un tampon encreur en cuir. On prend de l'encre. On applique l'encre délicatement sur les reliefs. Voilà la planche ancrée. Ensuite, on met une feuille de papier. On passe ça à la presse. Ici, c'est une presse relativement perfectionnée puisqu'elle est mécanique et métallique. Donc on va appliquer une pression importante sur la feuille de papier, et donc avec la pression, ben, l'encre va se transférer sur la feuille de papier. Et on va obtenir, après une semaine de dur labeur, 2 cartes à jouer. Oui. On n'en est pas encore à jouer à la belote, hein, vous avez compris. Une fois qu'on a fait ça, il faut que ça sèche. J'aime beaucoup ce film parce que la feuille de papier est vraiment du papier primitif. Vous voyez qu'il n'est pas très détaillé. Alors, l'ancrage, ici, se fait effectivement avec un pochoir. Donc, on a une feuille qu'on a découpée et à travers laquelle on va appliquer de l'encre. Ça se fait feuille à feuille. Et donc, forcément, on a un calque, enfin, un pochoir par couleur. On peut avoir jusque 4 ou 5 ou 6 couleurs par carte à jouer. Les plus simples, évidemment, on a juste une ou deux couleurs. Et une fois que c'est fait, ben, ça sèche. Et puis ensuite, il faudra encore découper les cartes, en faire des paquets. Et donc, on vend un jeu de cartes. Donc, prix du jeu de cartes à l'époque, 2 500 €, tout va bien. Équivalent, hein, il n'y avait pas d'euros à l'époque. Voilà. La mécanisation passe par là. On va utiliser la xylographie. Ça, c'est de la xylographie, hein. Pour imprimer des textes, des images, mais bon, c'est fastidieux, les erreurs ne sont pas faciles à rattraper, le bois va s'abîmer au fur et à mesure, donc on a besoin d'une technique qui soit plus solide et plus souple. Alors, quand je vous dis le papier est inventé en Extrême-Orient, le papier va progressivement arriver jusqu'en Europe. Hein. Il ne faut pas croire que pendant tout le Moyen-Âge, en Europe, on travaille uniquement avec du parchemin, avec du papyrus. Progressivement, on va employer du papier aussi. Eh bien, vous dire que le papier, c'est quelque chose qui nous semble aujourd'hui très courant, mais qu'à l'époque, c'est quand même un produit de luxe, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier dans sa technique. Donc, le besoin d'une technique plus souple va se faire sentir, et donc on va progressivement arriver la date de l'invention de la typographie. C'est 1440. Première Bible imprimée par Gutenberg entre 1452 et 1455. Le procédé lui-même, c'est 1440. On le sait parce que ça a été très bien documenté par Gutenberg lui-même. Et ce qui est important avec la typographie et avec l'invention de Gutenberg, c'est que ce n'est pas vraiment une invention. En fait, Gutenberg, il n'invente rien. Enfin, si, il invente un procédé. Mais en termes de technique, il ne va pas inventer grand-chose. C'est-à-dire la technique des caractères au plomb, elle existe. Ça a été fait par les Chinois. On sait qu'on peut remplacer le bois par le plomb dans la xylographie parce que c'est plus pratique. Les caractères mobiles, ben, on commence à... Enfin, même en xylographie, des fois, on fait des caractères mobiles parce que c'est plus simple. Donc ça existe. Par ailleurs, le papier... On commence à l'utiliser. Et en matière d'encre, bah, on n'en est plus à tuer une pieuvre à chaque fois qu'on veut imprimer un truc. Hein. On a quand même inventé des substances un peu plus pratiques à utiliser. Donc, il y a des techniques d'encre qui existent. La presse mécanique, elle existe. Elle existe pour d'autres choses. On s'en sert notamment en reliure. Donc, on a un ensemble de techniques qui existent
Et Gutenberg, son coup de génie, ça va être de mettre le tout ensemble. Donc il va utiliser des caractères mobiles, en plomb, une encre liquide, enfin une encre qui est en fait pâteuse, qui va améliorer la qualité d'impression parce que justement elle n'est pas trop liquide. Il va utiliser du papier et il va utiliser des presses mécaniques en métal comme on en utilise notamment pour la reliure des livres. Et donc il va créer ce qu'on connaît aujourd'hui, la typographie. Comment ça se passe ? Ben, c'est, là vous avez un composteur et une casse. Un composteur c'est quoi ? C'est une petite pièce mobile qu'on tient en main dans laquelle on assemble les caractères pour composer des mots et des phrases et des paragraphes. La casse typographique, ben, c'est ce meuble que Gutenberg va inventer aussi. Il va inventer un système de classement des poinçons typographiques. Donc c'est lui qui va organiser le boulot. Et donc il va, à partir de choses qui existent plus ou moins et qui n'ont pas encore vraiment travaillé ensemble, il va créer une technique et un métier. Et cette technique et ce métier, c'est la typographie. Alors, typographia en latin, tupos en grec, qui est la marque ou l'empreinte, graphein en grec, j'écris. Et donc, la typographie, ben, j'écris avec des poinçons, avec des marques qu'on va assembler afin de créer des mots et des phrases. Il va inventer ça donc en 1440 à Mayence. Mayence, c'est pas très loin de chez nous, c'est en Allemagne. Et donc il va perfectionner plein de choses, notamment ses caractères en plomb sont dans un alliage un peu particulier, c'est pas que du plomb, c'est 80% de plomb, 15% d'étain et 5% d'antimoine. Alors je ne cherche pas à faire de vous des chimistes amateurs, mais simplement quand on dit des caractères en plomb, c'est vrai à 80%, mais pas que, il y a d'autres choses dedans. Et c'est justement ces additions au plomb qui fait que le caractère est suffisamment solide. Si vous mettez que du plomb, quand vous allez essayer d'imprimer, ça va faire sprouch et le truc sera tout plat, ça ne marchera pas. L'antimoine et l'étain vont faire que le métal sera plus dur et donc résistera à l'écrasement tout en conservant un point de fusion relativement bas. Pourquoi est-ce que je vous parle de point de fusion ? Pourquoi est-ce qu'on fait de la physique ? Parce que ce qui est intéressant avec les caractères au plomb, c'est qu'on peut les recycler à l'infini. Le plomb, ça fond. Je ne connais plus le point de fusion du plomb. Je l'ai peut-être noté dans un... Non, je ne l'ai pas noté là. Le point de fusion du plomb est relativement bas. Donc, quand on a utilisé les caractères, si on veut en faire d'autres, ou s'il en manque et qu'on en a des inutilisés, on les fond, on fabrique un moule. Donc, la difficulté de créer des poinçons n'est pas de graver le poinçon, parce que les poinçons ne sont pas gravés. On grave un moule et ensuite on coule le plomb dedans pour fabriquer autant de poinçons qu'on veut. J'ai mis une petite carte. Donc vous voyez que Mayence, c'est juste à côté de Francfort, donc c'est pas très très loin d'ici, hein. Ça fait quoi, 300-400 km, quelque chose comme ça. Et donc, Jean Gutenberg, Johannes Gutenberg, mort en 1468, à 40 ans, il a inventé ça. Il y a aussi un peu de bismuth dans son alliage, mais bon, je l'ai pas... Peu importe. Et donc la particularité de son alliage, c'est de fondre facilement et de ne pas se déformer, ni en refroidissant, ni quand on l'écrase. En fait, il va simplement améliorer la technique de xylographie, et une de ses améliorations principales, c'est l'encre. Il va utiliser une encre d'imprimerie qui est pâteuse. Si vous allez aujourd'hui dans une imprimerie, et que vous regardez les pots d'encre, ben vous allez constater que ça a la consistance du miel. Donc c'est mou, c'est pâteux, ça coule un peu quand on le prend, mais c'est assez solide en fait. Et le fait que ce soit solide est très important, parce qu'à l'époque, forcément, on a du papier qui n'est pas d'excellente qualité, on n'a pas de chimie aussi perfectionnée qu'aujourd'hui, et donc si on utilise de l'encre liquide, il y a deux solutions. Soit elle va trop pénétrer dans le papier, elle va s'étendre, et on ne va plus rien voir parce que ça va faire des gros pâtés, soit elle ne va pas tenir sur le papier, elle ne va pas rentrer dedans, et elle va couler. L'encre pâteuse, quand on l'applique sur le papier, elle reste en place et elle a le temps de sécher en surface du papier. Donc, elle a une qualité d'impression qui est meilleure qu'une encre liquide. Donc, c'est aussi un truc important que Gutenberg a inventé. Alors, le premier livre imprimé
du monde occidental. Je vous rappelle qu'en Orient, on a déjà imprimé des choses. Le premier livre imprimé en typographie par Gutenberg, c'est une Bible qu'on a appelée la Bible à 42 lignes. Pour une raison qui est très pratique, c'est que chaque page comporte 42 lignes de texte. C'est finalement une bonne raison. Le texte est imprimé sur deux colonnes, comme vous le voyez. Elle est réalisée donc à Mayence, dans l'atelier de Gutenberg, entre 1452 et 1455. Il a des associés, Gutenberg, parce que quand même, il lance une entreprise qui est assez onéreuse. Hein. Vous imaginez bien que créer des machines qui sont toutes en acier à l'époque, bah, ça ne coûtait pas rien. Donc il a dû quand même s'associer à des gens qui avaient des sous, nommément Johann Fust et Pierre Schoeffer. La Bible comporte deux volumes. Elle est réalisée entièrement avec du caractère gothique textura, celui qu'on a vu la semaine dernière. Et elle est tirée à 180 exemplaires à l'époque. Ça ne vous semble peut-être pas énorme, d'autant qu'aujourd'hui, il y a 48 exemplaires qui ont été conservés. Si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, ce n'est pas passionnant de la lire de bout en bout. Hein. C'est une Bible, c'est l'Ancien Testament, on est bien d'accord. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'images. Hein. Ça, c'est une des pages les plus illustrées que je vous montre. Ça a été réillustré à la suite, à la main. Okay. Les impressions, enfin le décor ici, l'enluminure, n'a pas été imprimé par Gutenberg. On n'imprimait pas en plusieurs couleurs. Ça a été fait au pochoir ou à la main par la suite. Si vous voulez voir une Bible de Gutenberg, il y en a une qui est conservée en Belgique au musée Plantin à Anvers, qui est un super musée. J'aimerais bien aller le visiter une fois avec vous et on verra bien. Alors, la police gothique textura qui a été utilisée par Gutenberg comportait 202 caractères. Pourquoi diable 202 caractères ? Ben, si vous réfléchissez, les caractères, ce n'est pas que les 26 lettres. Déjà, les 26 lettres, en fait, elles sont 52. Pourquoi ? Parce qu'il y a les minuscules, puis il y a les capitales. Donc ça en fait déjà 52. Après, il y a des lettres accentuées. Il y a des caractères de ponctuation. Il y a des espaces, plus ou moins larges. Donc il y a toute une série de caractères en plus que les simples 26 lettres de l'alphabet. Donc en tout, on arrive à 202, ce qui est quand même relativement conséquent. C'est pas beaucoup non plus par rapport au nombre de caractères dans une police moderne, puisque dans des polices Unicode, on en parlera plus tard, on peut avoir parfois plusieurs milliers de caractères dans une seule police. Mais ici, c'est déjà pas mal. 180 exemplaires, c'est pas mal non plus. Il faut savoir que produire 180 exemplaires sur un délai relativement court, pour l'époque, c'est extraordinaire. C'est gigantesque. Recopier une Bible de 1000 pages pour un moine copiste, c'est un boulot d'un an ou deux. Et encore, après, il faut enluminer, il faut décorer. Okay ? Ici, on est à 180 exemplaires en quelques mois. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant pour l'époque. Alors je vous ai mis des pages de la Bible à 42 lignes. Alors je vous demande de retenir cette image dans votre tête parce que nous allons nous en resservir par la suite. Parce que ce qu'on voit ici est très intéressant en matière de mise en page. Donc je vous en parlerai à ce cours-ci en fin de séquence, en fin de cours. Ce qu'on voit, c'est ce que je vous demande de regarder, c'est les marges. Donc regardez les marges qui ont été appliquées par Gutenberg. Il n'a pas inventé cette technique de mise en page. Ce type de mise en page avec une très grande marge en bas existe au Moyen-Âge pour les manuscrits. Donc il a repris un système de mise en page. Mais alors regardez la taille de la marge en bas, très très grande. Et la taille de la marge extérieure est plus grande que la marge intérieure. Ce type de rectangle d'empagement, qu'on appelle empagement médiéval, est un empagement qui est classique dans les livres. On ne l'utilise plus beaucoup aujourd'hui parce que la marge est vraiment très grande et que le bloc de texte est vraiment décalé. Mais regardez le décalage, ça c'est un principe qui existera toujours dans la mise en page. C'est un décalage vers l'intérieur et vers le haut. Je vous expliquerai pourquoi après, mais retenez l'image. La reliure de la Bible à 42 lignes est une reliure classique cousue au fil de lin.
Pourquoi du fil de lin? Parce que le lin est très solide et qu'il n'abîme pas le coton. Et il y a plein de pages, pas toutes, mais il y a plusieurs pages qui sont décorées, qui sont enluminées. Donc là-dessus, il y a certains motifs qui ont été imprimés avec un tampon en bois ou en métal qui a été rajouté sur la page. Tout le texte est imprimé en typographie. Il y a certains éléments de décor qui ont été imprimés en typographie aussi, mais surtout, ça a été redécoré après au pochoir et au pinceau. Il y a des applications en ligne qui existent. Alors ici, en fait, c'est une borne interactive à l'Université du Texas où on montre la Bible à 42 lignes. Je vais vous passer, ce film-là se trouve dans mon centre de ressources. Et vous avez donc sur le site www.wdl.org. Oups. Ah, j'ai pas le lien, c'est bizarre ça. Je vais vous l'afficher. Je veux vous le montrer parce que c'est quand même assez intéressant. C'est un. Voilà, la Bible de Gutenberg. Ah, là, là. Excusez-moi. Ah, voilà. Ok, donc en fait, le site est un peu cassé. On va y arriver, hein. C'est sur la bibliothèque du Congrès aux États-Unis et visiblement, il y a un souci. Bien, est-ce que ce serait là? Bon, visiblement, j'ai un problème avec ce truc, mais vous en avez plus qu'un. Hein. C'est plusieurs sites qui vous proposent une lecture interactive de la Bible. Alors, lire la Bible en latin, c'est écrit en latin, en gothique textura, dans un empagement médiéval. Je pense que si vraiment vous voulez faire ça, vous êtes très fort. Parce que c'est quand même assez dur à lire. Donc vous pouvez. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de le regarder du point de vue graphique. Vous voyez l'enchaînement des pages. Il y a beaucoup de pages qui ne sont pas super intéressantes, où il n'y a pas de décor ou très peu de décor. Mais il y a des pages qui sont magnifiques comme ceci. Alors, ce qui est intéressant avec Gutenberg aussi, c'est qu'il a, au-delà du fait qu'il a inventé un procédé, il a inventé un métier. Il a inventé le métier d'imprimeur. Il a carrément écrit des bouquins sur l'organisation de l'atelier typographique. Ça, c'est un bouquin de l'époque qui est en français, celui-ci, l'imprimerie en lettres. Donc, on a une série de gens qui ont des fonctions bien précises. On a le vérificateur, on a... il porte des noms particuliers, je n'ai pas retenu les noms des gens. Mais il a vraiment créé une nomenclature, il a créé une organisation de l'atelier, il a créé aussi le meuble, la casse. La casse est le meuble dans lequel on range les lettres. Donc vous avez ici l'organisation de la casse, et ici vous remarquez, les lettres capitales sont dans le haut de la casse, et les lettres minuscules sont dans le bas de la casse. Donc quand on parle de bas de casse pour désigner les lettres minuscules, on fait référence à l'organisation d'une casse de typographie par Gutenberg. Toutes les casses typographiques ont toujours eu cette organisation-là de la typographie. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'imprimeries qui ont des casses. Il y a beaucoup d'imprimeries qui ont des presses typographiques parce qu'elles permettent de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec des techniques d'impression modernes. Mais par contre, imprimer, composer des lettres et imprimer en typographie, ça se fait un peu moins. Donc des casses, je ne suis pas persuadé qu'il en reste beaucoup. Mais si vous allez dans une imprimerie musée qui montre la technique d'impression typographique, ben vous allez voir des casses, et elles sont toutes organisées de la même manière. Le E est à la même place, le M est à la même place, le A est à la même place, tout est à la même place. Okay? La casse n'est pas un meuble très compliqué, simplement il est découpé en cases. Enfin, il y a quand même un truc qui est important avec la casse, c'est qu'il y a un rapport avec la fréquence des lettres.
Donc, par exemple, la lettre la plus fréquente en français, c'est la lettre E. Et donc, la plus grande case ici, dans la casse, elle va contenir un E minuscule. Parce que c'est la lettre qu'on utilisera le plus. C'est à l'époque de la typographie qu'on va inventer un certain nombre de mots, notamment l'approche et le crénage, leading et kerning en anglais. Je vous le dis en anglais parce que parfois on emploie le mot en anglais. Donc le kerning, le crénage, c'est quoi? Ben, c'est le fait de raboter un morceau, un poinçon, de manière à ce que le caractère imprimant dépasse un petit peu d'un côté, et de manière à ce qu'on puisse rapprocher de manière un peu artificielle les lettres. Vous voyez ici le morceau qui dépasse. Voilà un caractère en plomb, c'est un caractère qui est plus tardif que celui de Gutenberg. C'est une ligature FI qui est en garamond, et vous voyez l'impression de ce poinçon qui est placé juste devant. Alors là aussi, j'ai une série de petits films à vous montrer. Donc voilà une casse remplie avec un monsieur qui est en train de composer. Bien se rendre compte que les lettres sont à l'envers, hein, là-dedans. Oui, alors je donne des explications que je ne vais pas vous laisser. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir les lettres qui sont réparties là-dedans. Et si vous connaissez bien votre casse, bah, vous ne devez pas regarder à chaque fois. Remarquez qu'il n'y a pas d'indication. Donc vous devez connaître l'emplacement des caractères. Les caractères sont à l'envers, puisqu'évidemment, ça va être retourné pour imprimer. Donc forcément, les poinçons comportent des lettres à l'envers, et vous composez à l'envers, évidemment, de droite à gauche. Donc il va vous expliquer... ces vidéos-là, je vous laisserai regarder, elles sont dans mon centre de ressources. Mais voilà comment on fait pour réaliser des poinçons. Donc en fait, on commence par réaliser une matrice en cuivre, qui est gravée en creux. La gravure en creux, c'est beaucoup plus facile que la gravure en relief, puisqu'on intervient sur les parties signifiantes de la gravure. Donc on va fabriquer ce truc-là, et puis après on va le mettre dans le fond d'un moule, et puis on va couler le caractère en plomb sur la matrice. Et ce qui est bien, c'est qu'avec une seule matrice, on va réaliser quasiment une infinité de poinçons. Donc on va pouvoir reproduire beaucoup la lettre. Donc ça améliore aussi l'efficacité. Vous vous bien compte qu'avec des poinçons en bois, déjà la xylographie, une planche, c'est pénible, mais si vous devez réaliser des poinçons en bois, ça veut dire que chaque poinçon, vous devez le graver. Ici, on peut le réaliser de manière industrielle. Ensuite, on va... ça démarre tout seul, ça? Ah oui, ça démarrait tout seul. C'est un peu pénible parce que je n'ai pas de contrôle, je ne sais pas faire aller plus vite. Donc vous avez plusieurs petits films, je vous les laisserai regarder, hein, mais... Et quoi? Ah voilà. Bon, je vous les laisserai regarder, il y a un commentaire aussi, on vous explique tout le procédé, je ne vais pas... Je ne vais pas passer ça en détail ici, nous n'avons pas le temps. Mais c'est intéressant, donc je vous engage à regarder ces petits films parce qu'ils sont vraiment chouettes et ils vous expliquent comment ça marche. Et le procédé typographique est vraiment un très grand progrès par rapport à toutes les techniques qui existent auparavant. Et donc même si c'était un pari industriel un peu osé, Gutenberg en fait va avoir beaucoup de succès, il va avoir d'énormes commandes et donc il va produire énormément de livres sur le peu de temps qu'il lui reste à vivre puisqu'il est mort en 1468. Alors, dans les pays germaniques et dans presque toute l'Europe, on écrivait en gothique textura. Pourquoi ? Vous avez vu l'évolution historique depuis l'Antiquité. Mais avec l'avènement des caractères au plomb, on va gagner une souplesse et une finesse d'impression qui n'existaient pas jusque-là. En plus, on va pouvoir utiliser des choses plus fines à graver, plus compliquées à réaliser. Puisqu'on a une technique automatique pour l'impression, si on grave un caractère qui est très complexe, on va pouvoir le réutiliser, donc la complexité va se rentabiliser sur le nombre. Alors on va essayer de créer progressivement d'autres graphies. Dans les pays latins, donc les pays d'Europe plutôt du sud, on va voir apparaître une écriture qui est complètement différente de la gothique textura, qui va être issue d'une part de la caroline pour ses minuscules, et de la capitale romaine pour ses capitales.
On avait ce mouvement-là au début du Moyen-Âge et on a vu que la gothique textura allait vers plus d'ornementation et un caractère qui était plus noir. Vous savez qu'en anglais, les caractères gothiques ou les fractures, on appelle ça « black letter », ce qui indique bien qu'il y a un fort contraste et qu'il y a quelque chose de très marqué en encre. Dans les pays latins, on a quelque chose qui est beaucoup plus léger. Et donc, à la Renaissance, particulièrement en Italie, la période antique va être à la mode. L'Antiquité, en fait, la Renaissance, pardon, est en réalité la Renaissance de l'Antiquité. On va revenir aux philosophes grecs et romains, on va retrouver des ruines, on va essayer de retrouver le côté culturel de l'Empire romain et la grandeur de l'Empire romain. Et donc, va apparaître une lettre qu'on va appeler en latin « lettera antica », qui est une forme imprimante, une forme de lettre qu'on va appeler « humaniste ». Et donc, cette lettre qui est très très proche de ce que nous connaissons va donner lieu à une classification typographique qu'on va appeler la catégorie des humanes. Les humanes, ce sont les premiers caractères d'imprimerie qui ont la forme de nos lettres actuelles. Donc si on cherche plus loin dans le temps, bah, effectivement, les onciales étaient pas loin, l'onciale et la caroline, c'était pas loin de ce qu'on fait aujourd'hui. La capitale romaine, ben, ce sont nos capitales, donc là, on voit ce que c'est. La textura s'en éloignait un peu. Mais la forme la plus ancienne de caractères qui sont similaires aux nôtres, ben, ce sont les humanes. Alors cet exemple-ci d'humane, ce n'est pas une police que je peux nommer parce que c'est un texte d'époque qui reproduit. Vous voyez qu'on est quand même encore relativement loin de notre texte. On utilise le F long, pardon, le S long. On a des petits S ici, on a des grands S ici. On a une ponctuation qui n'est pas du tout comme la nôtre. On a des espaces qui sont un peu anarchiques. Mais il y a un truc qui est remarquable, c'est par exemple les ligatures. Il y a beaucoup de ligatures. Si vous regardez par exemple le Q capital, qui va être d'office lié à ce qui suit, avec une queue qui va revenir en dessous des autres lettres, les OE, les AE, le caractère très courant de l'esperluette. L'esperluette, c'est le E commercial, hein. Vous voyez, à la dernière ligne, et alia, c'est un E. Ce sont deux lettres. En fait, c'est une ligature. Nous l'utilisons aujourd'hui comme un seul glyphe, mais en réalité, c'est la lettre E et la lettre T qui sont reliées. Donc, on va avoir vraiment un renouveau dans l'écriture. On va parler de lettera antica et on va avoir de grands typographes qui vont émerger, notamment Nicolas Janson. Cette police-là, elle est dessinée par Nicolas Janson, qui a appris son métier chez Gutenberg à l'époque. Après la mise à sac de Mayence en 1462, il va s'expatrier à Venise, et Venise va devenir la capitale de l'imprimerie. On a refontes. Pourquoi est-ce que j'ai un portrait de Charles II ? Je ne sais pas très bien pourquoi on a un portrait de Charles II, mais voilà. Nicolas Janson, donc 1420-1480. Il a une vingtaine, une trentaine d'années quand Gutenberg invente l'imprimerie, il se perfectionne, puis il va aller travailler à Venise, et il va être à l'origine de l'école typographique de Venise. Et donc on va avoir des polices qui ont une forme relativement moderne pour l'époque, mais qui sont pour nous des polices un peu brutes, encore un peu simples. Alors il y a des caractères modernes reprennent le dessin de ces humanes de l'époque. Donc, on est à la fin du XVe siècle, au début du XVIe, et les caractères les plus modernes à l'époque sont les humanes. Adobe Janson, dessiné par Robert Slimbach, qui est une police moderne, Robert Slimbach est un typographe du XXe siècle, est une humane. Centaure, caractère de Bruce Rogers, est également une police humaine qui est moderne. Alors c'est quoi les caractéristiques des humaines ? Ben,
Vous les lirez mieux dans le livre, dans mon livre Choix typographique, mais c'est surtout, par exemple, le peu de contraste entre plein et délié. Vous vous souvenez que je vous ai expliqué les pleins et les déliés? Alors, on le voit plus dans Janson que dans Centaure, parce que Centaure, la largeur moyenne des traits est relativement fine, donc ça donne une impression de finesse, sauf que le caractère est peut-être un peu trop fin, il n'est pas super lisible. Dans Janson, ça se voit plus. Quand on a un caractère qui comporte peu de pleins et de déliés, on a une impression de gras général, on a moins une impression de finesse que quand on augmente le contraste. Donc le manque de contraste entre plein et délié, c'est la principale caractéristique des humanes. Il y a une autre caractéristique qui est très visible. Regardez le E de vieux à la première ligne et le E de porté. Donc la barre oblique, donc la traverse du E minuscule, est en général en oblique, elle n'est pas horizontale. Et dans 9 cas sur 10, dans les humanes, elle dépasse. Vous voyez qu'il y a un petit ergot qui dépasse sur la droite du E minuscule. Tout le monde le voit ? Ça, c'est une caractéristique très forte des humanes. L'axe des graisses, je vous expliquerai exactement ce que c'est, mais regardez par exemple le O minuscule. L'axe des graisses, c'est quoi ? Ben, c'est l'axe de symétrie des pleins et des déliés. Ben, il est également oblique. Toutes ces caractéristiques obliques sont des héritages, évidemment, de l'écriture manuscrite au calame, hein, avec une plume ou un calame qui est incliné de 30 degrés, et donc cette inclinaison de 30 degrés, on va la retrouver ici. Enfin, les empattements, que je vous montre exprès en petit, parce que vous pourriez les regarder en gros au microscope, et vous verriez que le dessin est assez rugueux. On a des empattements qui sont épais, qui ne sont pas en forme de pointe, mais l'effet général dans un texte, ça donne un effet, effectivement, le texte a l'air un peu pâteau, il manque de légèreté. C'est dû notamment aux empattements qui sont fort importants par rapport à la taille de la lettre. Donc Janson et Centaure, vous en avez d'autres. Je ne vais pas, à ce cours, vous citer toutes les polices qui sont dans le bouquin. Le bouquin, en fait, est votre meilleur allié pour apprendre à reconnaître les polices. Je vous en reparlerai à la pause. Mais vous devez lire ce bouquin, comprendre la classification, étudier les introductions et surtout vous familiariser avec les polices. Ce bouquin, c'est un répertoire et donc vous devez le parcourir. Alors j'ai publié des choses sur internet qui pourront vous aider. Je vous en parlerai à la pause tout à l'heure. J'ai d'abord terminé les humanes et les garaldes. À Venise, Nicolas Janson, pardon, il a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Aldemanucci. Aldemanucci, qui est un typographe vénitien, qui va inventer un truc intéressant, puisque c'est lui qui va créer le caractère italique. Le caractère italique s'appelle italique parce qu'il a été inventé en Italie, par Aldemanucci. Et en fait, l'idée, c'est pas du tout de créer une variante esthétique ou de trouver un moyen de noter les titres de livres, pas du tout. Au départ, Aldemanucci, ce qu'il se dit, c'est qu'il veut gagner plein d'argent. Pour gagner plein d'argent en publiant des bouquins, la bonne solution, c'est de réduire les coûts. Pour réduire les coûts, ben c'est tout simple. Il faut imprimer plus petit, gagner de la place, comme ça on a moins de pages, le bouquin coûte moins cher à produire, et donc on gagne plein d'argent. Et l'italique, c'est un caractère qui, certes, est penché, mais qui est surtout étroit. Donc, le but de Aldemanucci en inventant l'italique, c'est de gagner de la place sur la page. Les capitales sont toujours romaines. Ça, c'est important. Les capitales sont toujours des capitales romaines. Les minuscules sont penchées, et cette écriture penchée, on l'appellera écriture italique. Et il n'y a pas besoin de se rapprocher très fort de la page pour bien voir que le texte a une certaine densité. Alors, le truc d'Aldemanucci n'est pas bête, mais enfin, le caractère penché est quand même quelque chose de particulier, et donc, progressivement, on va adopter une variante italique dans les polices normales, et donc, on va parler, pour des lettres droites, même en minuscules, de romain. Donc, la variante lettre droite en capitale ou en minuscule, ce sera du romain, et on va avoir des capitales qui seront penchées, et là,
version penchée et redessinée, hein. Ça, je peux vous le montrer. On va faire comme ça. Donc, oh là là, c'est lent, excusez-moi. Ok, voilà. Donc ceci est Offler Text. Offler Text qui est une garalde, on va en parler dans un instant. Je sélectionne le texte, je le mets en italique et regardez la forme des lettres. C'est pas seulement que c'est penché. D'accord. Alors vous remarquez aussi qu'on a conservé cette tradition d'avoir une chasse, donc une largeur de caractère moyenne, plus étroite avec les caractères italiques. Mais regardez le dessin du E, par exemple. Le E comporte un angle à l'extrémité de la traverse dans la variante droite. Dans la variante italique, pas du tout, il n'y a que des courbes. Le N, le U et le N, regardez-les sur à droite de la première ligne. Vous voyez qu'ils sont écrits avec des courbes. Donc le dessin de la lettre est lui-même différent. Il faudra faire la différence quand vous emploierez des polices entre une variante italique, qui est certes penchée, mais redessinée, il y a un autre dessin, une alternative de dessin pour les lettres, et les variantes obliques, qui sont simplement penchées. Alors, dans des logiciels un peu simples comme Word, ben, vous avez juste un bouton I, et donc vous avez la variante Offler Text italique, mais regardez ce qui va se passer si je vous mets, par exemple, de l'Helvetica. Ceci est en Helvetica. Si je le mets en italique, ben juste les lettres sont penchées. Rien de plus. Pour la plupart des linéales, donc des caractères sans empattement, la variante italique n'est pas réellement une variante italique, c'est une variante oblique, où on va simplement pencher l'axe de la lettre, mais on ne va pas donner un dessin alternatif. C'est important. Parce que ça veut dire que ça va vous permettre aussi, quand vous choisissez une police, de réfléchir en fonction des variantes qui sont disponibles pour vous pour l'écriture. D'accord ? Regardez aussi par rapport à la chasse, donc à l'encombrement de la lettre, un Helvetica en romain ou en italique, il n'y a pas de différence dans la largeur du caractère, donc vous ne gagnez pas de place en écrivant en italique. Donc on est dans autre chose que l'invention de Aldemanucci. Je vais arrêter la recopie. Hop. Alors, gagner de la place, effectivement, ça va permettre de faire des livres plus petits, de réduire les marges, de travailler différemment. Aldemanucci a travaillé aussi avec un monsieur qui s'appelle Garamond. Claude Garamond, et même si les historiens de la typographie vont considérer le Romain de Janson, alors le Romain de Janson, ok, donc la police gravée par Nicolas Janson, qui est une police avec des capitales et des minuscules, mais où il n'y a que la variante romaine. C'est ça qui siffle. Je ne sais pas, on va laisser comme ça. Donc, généralement, en histoire de la typographie, on considère le Janson comme un des caractères les plus parfaits qui a jamais été gravé. Et il va avoir une influence déterminante sur les graveurs et les typographes qui vont suivre, notamment Claude Garamond. Alors, Garamond avec T, Garamond avec D, à l'époque, la graphie des noms propres n'est pas particulièrement fixée, donc il y a une tolérance. Et les caractères de Claude Garamond vont marquer un passage qui va, dans la classification des caractères, être marqué par le changement de famille, on va avoir des caractères qui ne seront plus des humanes, qui seront plus simplement une utilisation, un redessin de la Caroline et des capitales romaines, mais qui vont être redessinés pour l'imprimerie. Et la première police de caractères qui va être dessinée pour l'imprimerie, c'est le Garamond. Donc Claude Garamond. Alors, quand Claude Garamond grave un caractère, il ne l'appelle pas le Garamond.
Il ne lui donne pas de nom. Claude Garamond, il est imprimeur. Il fabrique ses caractères, et c'est les caractères de Claude Garamond. Mais c'est tout, il n'y a que lui qui les utilise. Or, la matrice de la police de caractères créée par Claude Garamond, ben, il y en a une qui a été conservée à Anvers, c'est un original, vous imaginez le prix que ça coûte, évidemment. C'est une matrice, ça veut dire que ça sert à fabriquer les caractères en plomb, en coulant du plomb dedans. Et le Garamond ben, nous amène dans la famille suivante historiquement, qui est la famille des Garald. Pourquoi Garald? Parce que Claude Garamond et Aldemanuche, donc Garald, c'est une famille qui est différente. Alors si vous voyez l'exemple ici, j'espère que vous voyez un peu la différence avec l'exemple des humaines. Je vais vous repasser l'exemple qui était en Janson. Ok. On a un caractère dont la première impression, c'est qu'il est nettement plus fin. Alors, il est nettement plus fin, pourquoi? Parce que, surtout au niveau des empattements, on va avoir des empattements qui s'affinent et qui prennent du relief. Regardez par exemple le A capital de la première ligne, sur auditui. Vous voyez les empattements sur le bas, ce sont des empattements qui sont relativement grands et ils sont creusés. Et ce creusement des empattements sert à les affiner. Dans une humaine, vous auriez un empattement qui est beaucoup plus massif, mais il est aussi affiné. Donc vous avez une terminaison de l'empattement qui est toujours un peu arrondie, qui n'est pas très très fine. Vous verrez plus tard qu'on a des empattements qui sont carrément pointus. Ici, ce n'est pas le cas, mais c'est creusé, c'est beaucoup plus fin. On va avoir aussi un contraste entre les pleins et les déliés qui est beaucoup plus important que dans les humanes, et alors on va avoir aussi un redressement général des lettres. Ici on ne le voit pas fort fort bien, mais vous avez des exemples de Mignon et de Sabon et de Palatino dans le syllabus, et vous verrez que l'axe des graisses va se redresser un petit peu. L'axe horizontal du E ici, il est horizontal, donc la traverse du E devient horizontale. Elle est quand même assez haute par rapport à ce qu'on connaît. Donc sur un Times ou sur une police moderne, vous auriez probablement une traverse qui est un peu plus bas, qui laisserait plus de place à l'œil du E, donc la partie supérieure, mais par contre, il est horizontal. Et vous n'avez plus cette espèce de petit ergot qui stitch du côté du raccord avec la courbe. Voilà. Alors, les polices de Garamond et de Janon, c'est probablement les plus célèbres polices du monde. Vous savez, quand on dit... qu'est-ce qu'il faut employer comme police? Si vous employez de l'Helvetica pour des polices linéales, vous ne vous trompez jamais. Si vous employez du Garamond ou du Times pour les polices avec empattement, vous ne vous trompez jamais. Voilà. Garamond, c'est la police par excellence. Il y a encore pas mal de choses qui sont composées en Garamond aujourd'hui. Le logo d'Apple dans les années 80 et 90, et même au début des années 2000, était écrit dans une variante de Garamond qui était un peu plus étroite. Une police qui avait été créée pour eux, qu'ils avaient appelée Apple Garamond, et qui était du Garamond, mais un petit peu étroitisé. Alors, Garamond a été copié, décliné, modifié, changé, on en a créé des tonnes de variantes, jusqu'à avoir des polices qui ne sont presque plus des Garald, mais qui ressemblent à des Réal, qui sera la famille suivante, notamment... Garamond ITC. ITC est une fonderie de caractères. ITC Garamond ressemble presque à du Baskerville, qui est une police de la famille suivante. Mais Garamond, le dessin original, qui est, si vous voulez, la version originale du Garamond, elle a été dessinée par un monsieur qui s'appelle Robert Slimbach. Voilà toutes les déclinaisons du Garamond. Je les ai ici en couleur. Il n'y a pas beaucoup de différences, mais il y en a quand même. Vous voyez notamment dans la chasse des lettres et aussi dans les approches. Apple Garamond, dont je vous parlais sur la gauche. Stempel Garamond au-dessus. Alors, cette boucle supérieure du A qui est recoupée avec un angle... C'est assez typique des humanes, donc des caractères un peu plus anciens que les Garald. Donc le Stempel Garamond n'est pas une humane, mais il s'en rapproche.
Dites-vous bien aussi que dans les classements de caractères, tous les classements sont sujets un peu à discussion. C'est très difficile de trouver une police qui tombe pile poil dans une catégorie. Sauf Adobe Garamond, qui est le Garamond, dessin original de Claude Garamond, redessiné par Robert Slimbach pour la société Adobe en 1985, si je ne m'abuse, qui, elle, est la police typique des Garald et qui est souvent considérée comme la police idéale. Mais la police idéale, c'est toujours également sujet à caution, puisque il n'y a pas de police idéale, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise police. Il y a des polices qui conviennent à certains usages ou pas. Donc des polices comme les Garald, comme Garamond, vont convenir à des usages qui sont plutôt littéraires, plutôt raffinés, et pas des usages qui sont hyper modernes ou en signalétique ou en lecture rapide. Mais pour des usages sur des textes longs, le Garamond est une excellente police. Alors, des Garald et des humanes. Janson. Janson, redessiné par Robert Slimbach d'après le dessin original de Nicolas Janson, c'est donc une humaine. Sur les humaines, on a un dessin qui est un peu brut, on a très peu de contraste entre les pleins et les déliés, on a un crochet sur le A qui va revenir bouclé et qui s'épaissit au-dessus de la boucle. Vous avez un E qui a une barre qui est en oblique, avec un ergot qui va dépasser sur la droite de la traverse. Le G est un G qui est fermé et qui a un dessin relativement fruste, relativement simple. Ça, c'est une humaine. Garamond, toujours Robert Slimbach, vous avez un dessin qui est beaucoup plus aérien. Le E, notamment, est très reconnaissable. Vous avez toujours un crochet sur le A, mais vous voyez la différence, il est beaucoup plus discret. Le A n'est pas recoupé sur le dessus. La barre du E, la traverse du E, est horizontale. On n'a pas d'ergot sur la droite. Et on a un G qui a un dessin un peu plus complexe, notamment avec un angle à la jonction des deux boucles sur la gauche. Stempel Garamond, caractère qui est dessiné par David Stempel. Ben, vous voyez qu'on est quelque part entre les deux. Donc on a des caractéristiques des Garald, notamment la traverse du E qui est horizontale et pas d'ergot. Par contre, le A est plus un A d'human. Le G, ben, il est entre les deux. Hein. Il est un peu anguleux, il a un dessin un peu plus complexe qu'une humaine, mais en même temps, il reste assez grossier et assez marqué. Donc c'est un peu... voilà. Mignon Pro. Très beau caractère de Robert Slimbach que j'ai employé pour le syllabus. Et donc, Mignon Pro, ben, vous voyez que le A, on est limite. Hein. On a presque la découpe des humanes. Les empattements sont assez géométriques, ils sont un tout petit peu affinés. En fait, Mignon Pro est une Garald, mais il est un petit peu entre les deux, un peu comme Stempel Garamond. Un peu moins que Stempel Garamond, il est un peu moins proche des humanes que Stempel Garamond, mais quand même, c'est pas une Garald hyper typique. Alors vous avez Sabon aussi. Sabon, un caractère de Jan Siekold. Jan Siekold est un très important graphiste et typographe du XXe siècle, probablement la figure la plus importante du graphisme avec Joseph Müller-Brockmann pour le XXe siècle. Un des fondateurs du graphisme temporain, graphisme contemporain, pardon, je vais y arriver. Sabon est une Garald qui est très typique, sauf peut-être le sommet du A, qui est un petit peu anguleux, mais vous allez voir, si vous regardez les Garald de près, vous allez voir que souvent le sommet du A conserve cette caractéristique des humanes d'être un petit peu anguleux, un petit peu coupé. Mais ici, ce n'est pas très fort. Le caractère de Jan Siekold. Jan Siekold, notre père à tous en typographie, parce que non seulement il avait un très beau chapeau melon, mais en plus, il a écrit des bouquins qui sont absolument passionnants sur la typographie. Si vous vous intéressez à la typo, il y a une bibliographie en fin de syllabus, et je vous encourage à lire des choses. La lecture de Jan Siekold, c'est ardu. C'est quelqu'un qui est, il est limite psychorigide, en fait, Jan Siekold. Il est très carré dans ce qu'il pense et dans ce qu'il écrit.
mais il a une vue extrêmement claire de la typographie. Pour moi, les trois plus grands typographes du XXe siècle, en dehors des expérimentations contemporaines, hein, puisqu'il y en a des tonnes, il y a Brody, il y en a d'autres, il y a Spiekermann, d'autres gens comme ça. Mais dans les classiques, pour moi, Jan Siekold, Adrian Frutiger et Joseph Müller-Brockmann, voilà, tout est dit sur le caractère moderne de l'imprimerie, on va dire entre 1900 et 1980. Jan Siekold a été aussi un affichiste, et il a créé des affiches qui sont dans la mouvance du Bauhaus. Il n'a pas fait partie de l'école du Bauhaus, mais il était dans la mouvance du Bauhaus. Voilà. Un autre caractère qui est également une garalde, c'est Palatino, de Hermann Zapf, encore un autre grand nom de la typographie. Et vous voyez que le Palatino, en fait, ça a deux caractéristiques. C'est une police qui date de 1948, mais qui est une garalde. Hein. Quand je vous demanderai des dates pour les polices, je ne vous demanderai pas des dates, je vous demanderai des siècles pour les familles. Donc, puisque les humanes, c'est la fin 15e et 16e siècle, ici on est à la fin du 16e, début 17e, pour les Garaldes. Palatino, elle est dessinée en 1948, mais elle est dessinée à la mode du 17e. Ce n'est pas une garalde pure, mais elle en est un peu l'héritière. Hermann Zapf l'appelle Palatino en hommage à Gianbattista Palatino, qui est un grand calligraphe italien. Calligraphe, pas typographe. Et en fait, je suis en Aldus. Palatino va être une police qui va tailler relativement grand, qui va être assez large. Si vous regardez les exemples dans le syllabus, sur la même page, vous avez Mignon, Sabon et Palatino. Et le caractère Palatino donne une impression de grandeur supérieure aux autres. C'est à cause de sa grandeur d'œil qui est importante et à cause de sa chasse qui est en moyenne plus large que les autres caractères. Je ne vais pas vous les nommer tous, mais vous avez aussi Aldus, encore Hermann Zapf. Alors regardez ce qui est rigolo. Hermann Zapf s'est amusé à faire un dessin de Garald, mais par contre, il a remis cette petite découpe de la courbe au sommet du E, au sommet du G et au sommet de toutes les minuscules qui comportaient une boucle supérieure. Bembo, enfin, ne vous laissez pas abuser par STD, qui veut dire standard, ou pro. Je vous expliquerai après ce que ça signifie, et si jamais j'oublie, de toute façon, c'est indiqué dans le livre. Donc, caractère de Stanley Morrison, qui est une garalde assez typique, assez sèche, en fait. Elle a une réputation impressionnante parce qu'elle a été utilisée dans l'impression, mais pour des ouvrages très très sérieux, à cause de son caractère un peu austère. Si vous regardez le dessin de près, c'est vrai que c'est quand même relativement austère. Alors, caractéristique importante et intéressante pour une garalde, donc regardez les empattements, il n'y a pas vraiment, c'est des empattements courbes ici, mais enfin bon, on voit la finesse, le dessin du G est ouvragé. La traverse du E est horizontale, mais regardez au bout de la traverse du E, eh ben on a quand même un tout petit bout d'ergot comme ça, très discret, mais donc encore une caractéristique du Newman qui revient dans une garalde. La distinction entre Newman et garalde est probablement la distinction la plus difficile de toutes à faire. Ce sont les caractères les plus anciens, ce sont les dessins qui nous semblent les plus classiques, et il est assez compliqué de faire la différence entre les deux. Vous allez voir qu'avec les autres familles, ce sera plus simple, mais ici, c'est un petit peu délicat. Alors celle-là, j'ai fait juste pour faire le malin, mais je me suis mis un copion parce que c'est très difficile de reconnaître les polices. Donc on a Janson à gauche. En fait, c'est intéressant parce que on voit un peu les caractéristiques différentes. La police qui a l'air la plus grasse, c'est Janson. Janson qui est donc une humaine et qui a un dessin qui est assez massif, assez primitif. Centaure, qui est juste à côté, est une humaine aussi, mais on ne le voit pas tellement par la graisse du caractère, parce que Centaure est relativement fin, mais dans le dessin, donc regardez les traverses du E, notamment, les deux premières sont des humaines, on le voit à cause notamment de la traverse du E, qui est oblique. Ensuite, vous avez Adolphe Garamond, une garalde, Stempel Garamond, un petit peu entre les deux, c'est une garalde, mais elle tend à être une humaine. Ensuite, Sabon, Aldus,
Palatino, regardez le A de Palatino, comme il est grand, comme il est massif, le E aussi, hein, c'est la plus grande variante des E. Ensuite, Bembo et Hoffler. Donc vous voyez aussi sur le Bembo, ici, regardez par rapport aux deux premières, par rapport au Janson ou au Centaure, on est effectivement, donc dans le E, il y a effectivement un petit ergot qui dépasse, mais le dessin est complètement différent. Le dessin est beaucoup plus raffiné, le dessin est beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil. Généralement, les humanes, ça ne veut pas dire qu'elles sont moches. Ça veut dire simplement qu'elles ont un dessin qui est moins subtil, et ça s'explique historiquement aussi. Ce sont les caractères d'imprimerie qui sont les plus anciens après la gothique textura, et donc, c'est là que l'imprimerie était la moins perfectionnée. Plus on a perfectionné la technique du papier, de l'encre et des poinçons, ben plus on a pu faire des caractères qui sont fins et qui ont un dessin subtil. C'est logique. Et vous allez voir que par la suite, on va continuer le même mouvement. Voilà. Alors, avant de vous envoyer en pause, je suis un peu surpris parce que j'ai vendu très peu de bouquins. Je vous ai vendu très peu de bouquins, donc de mon bouquin. C'est pas spécialement que je veuille pousser la consommation, en même temps je gagne quasi rien sur ce bouquin, donc on s'en fiche un peu, mais par contre ce bouquin il est obligatoire pour le cours, donc sachez qu'il est disponible dans le pack de syllabus. Si vous êtes allé chercher votre pack de syllabus et que on ne vous a pas donné le bouquin parce que, enfin, pour une raison x ou y, sachez que vous avez le droit d'aller rechercher le bouquin. Vous pouvez même aller demander à Madame Castermans, à l'administration. Elle ira exceptionnellement ouvrir le local des syllabis et elle vous donnera un exemplaire du bouquin. Ça va ? Mais vous avez intérêt à l'acheter le plus vite possible, ce livre. Pourquoi ? Parce que pour arriver à reconnaître des polices, vous avez besoin de temps. Donc, je vous recommande de commencer le plus vite possible à étudier à l'intérieur de ce livre. Quand vous l'achèterez, que ce soit dans le pack de syllabus ou à moi, et je veux bien encore vous en vendre tout à l'heure, vous viendrez me trouver. Vous verrez qu'on vous renvoie à un site, qui est ce site, petitpoisson.be/projet/choixtypo. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller sur ce site? Parce que vous avez un erratum et des fiches mémo. Alors l'erratum, c'est quoi? L'ouvrir ici. Ah. Il y a des erreurs, c'est une première édition le bouquin, donc il y a forcément toujours des erreurs. J'ai donc écrit un erratum avec une série de choses, notamment sur les fiches mémo qui sont là corrigées, mais aussi je vous ai indiqué les pages. Voilà, il y a famille erronée pour deux caractères. Frutiger et Myriade, je me suis trompé. En fait, elles appartiennent à la famille des linéales de transition. Il faut le savoir. Page 64, les dates n'étaient pas claires. Précision sur les siècles associés aux familles, etc., etc. Les humanes, vous l'avez dit, fin 15e, début 16e. Donc si je vous demande le siècle, pour les humanes, c'est 15e. Les Garaldes, fin 16e, début 17e. Donc le siècle, c'est 16e. Etc., etc. Ok ? Pas de date pour les scripts et les manuaires, je vous expliquerai pourquoi. Donc ça, c'est super important. Je ne vais pas réimprimer le bouquin rien que pour vous. Donc il y a un erratum, vous devez en tenir compte en étudiant le bouquin. Par ailleurs, je vous ai fabriqué des fiches mémo. Comment fonctionnent ces fiches ? Vous avez sur une page A4... 4 fiches. Pour chaque fiche, vous avez le nom de la police, vous avez sa famille. Dans l'erratum, je vous donne des corrections sur les fiches. Elles ont été reportées sur cette nouvelle version des fiches. C'est pour les gens qui avaient l'ancienne version des fiches, d'accord ? Donc, la famille, le typographe qui a dessiné, et vous avez la date. Il peut y avoir plusieurs dates. Je vais vous montrer après pourquoi. Ensuite, vous avez deux exemples de la police, en grand et en petit. Il est important que vous appreniez à reconnaître la police, non pas en la regardant au microscope sur des caractères grands comme ça,
mais aussi sur l'impression générale qu'elle donne dans un bloc de texte, sans que vous puissiez en voir tous les détails. Alors, je vous prends l'exemple de Bembo, par exemple, ici. Bembo est une garalde. Elle est dessinée par Aldemanucci et Francesco Grifo en 1495, et sa version numérique date de 2005. Redessinée par Robert Slimbach, si je ne m'abuse, mais peu importe. Quand je vous demande qui a dessiné cette police, je ne vais jamais vous demander Robert Slimbach si c'est lui, je ne suis même pas certain. Je vous demande le dessin original. D'accord ? Par exemple, Galliard, une garalde, dessiné par Robert Grandjean en 1560. Renumérisé par Matthew Carter en 1978, je vous l'ai indiqué parce que Matthew Carter est un photographe important, donc je veux que vous sachiez que c'était lui, mais la date de Galliard, si je vous demande à quelle famille appartient ce caractère, c'est une garalde. Si je vous pose la question de la date, ben, vraisemblablement, je vais vous poser une question en termes de siècle, et je vais vous dire... À quel siècle a-t-on inventé le dessin de la famille de caractères à laquelle appartient cette police ? D'accord ? Donc, ce que je vous demande, c'est de me dire, c'est une garalde, 16e siècle. Je ne veux pas spécialement que vous reteniez que c'est Robert Grandjean en 1560. Il se trouve ici que 1560, pour la garalde, ben, ça tombe bien, puisqu'on est... au milieu du XVIe siècle, en effet. Mais par contre, Aldus, c'est une garalde aussi, mais qui a été dessinée par Hermann Zaff en 1954. Si je vous demande le siècle auquel se rapporte, auquel renvoie le dessin de cette police, c'est pas le XXe siècle, c'est le XVIe parce que c'est une garalde. Bien compris ? Bon. Comment utiliser ceci ? Vous le téléchargez, vous l'imprimez sur une imprimante de bonne qualité, vous découpez les fiches et vous les collez partout dans votre maison. Il y en a 86. Donc jusqu'ici, dans le cours, on a parcouru à peu près 5000 ans d'histoire pour voir comment nos écritures, enfin, comment l'écriture avait évolué. D'ailleurs, je vais changer de typographie pour ce diaporama. J'essaierai de vous signaler à chaque fois en quel typo je compose les slides. Ici, on est en Dido. On va en reparler juste après. Et donc, les écritures, en fait, les formes d'écriture, elles ont évolué en fonction des besoins. D'abord, en fonction de la rationalisation des besoins simplement pour l'alphabet. On a eu une simplification des alphabets. On l'a bien vu avec les hiéroglyphes, on l'a bien vu avec tous les caractères qui allaient vers une rationalisation. Et aujourd'hui, enfin, même aujourd'hui, à partir du XVe siècle, on a un alphabet qui reflète fidèlement la phonétique de la langue. D'ailleurs, il y a un mouvement inverse qui s'est fait, puisqu'on sait que d'autres alphabets, enfin des adjonctions à l'alphabet, ont dû être faites à cause de sonorités différentes dans d'autres langues. Les alphabets qui sont utilisés en Europe de l'Est, par exemple, ou en Pologne, ou dans les pays scandinaves, sont pour l'essentiel des alphabets latins, mais avec des adjonctions, parce qu'il y a des lettres qui sont, des sonorités qui sont différentes et qui ne peuvent pas être transcrites de manière simple avec un alphabet latin strict. Donc on va avoir par exemple le O barré du scandinave, on va avoir le L avec une petite croix dedans, avec une petite barre sur le FU en Pologne, on va avoir plein d'autres choses, on va avoir des accents toniques qui vont se rajouter. Mais il n'y a même pas besoin d'aller si loin que ça, puisque s'il y en a qui sont germanophones parmi vous, vous savez qu'il y a des graphies particulières pour l'écriture de l'allemand. Il y avait une lettre qui était un double S, un SC, qui s'écrivait avec le caractère bêta, qui a été maintenant supprimé dans la réforme de l'orthographe et n'est censé écrire deux S, mais ce caractère existait jusqu'il n'y a pas très longtemps. Et puis en allemand, on utilise encore et toujours des lettres avec des trémas, des umlauts, qui vont fermer la lettre. Donc par exemple, un O avec un umlaut, ça ne se prononce pas O, ça se prononce E. Donc, il y a quand même des variantes qui sont relativement locales. L'alphabet latin n'est pas universel. Nous, on utilise des accents.
accent grave, accent aigu, accent circonflexe, tréma, on les utilise en français. Donc, voilà, il y a des petites choses qui sont quand même ajoutées. Bon, par ailleurs, la vitesse d'exécution va donner lieu à des cursives. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte quand on l'a vu tout à l'heure, mais la graphie des italiques renvoie un peu à la graphie cursive, hein, avec des lettres qui sont penchées et des lettres qui sont beaucoup plus suivies, avec beaucoup plus de courbes. Donc cette notion de cursive, elle est quand même toujours là. Et puis, il y a des raisons économiques aussi au changement des alphabets. La raison de l'invention des caractères italiques, c'est une raison d'économie, je vous l'ai dit à l'époque. Alors, les écritures ont évolué aussi en fonction des outils. Au début, on écrit avec un calame sur de l'argile, donc on a des écritures en forme de coin. Quand on utilise un burin sur de la pierre, ben on a l'écriture droite des Grecs et puis des Romains, sauf que les Romains vont très vite passer au ciseau. Le ciseau permet de ciseler, c'est de là que vient le nom, et ciseler la pierre, ben ça donne des caractères qui sont beaucoup plus fins, et ça va leur permettre d'inventer les empattements. C'est parce qu'ils utilisent un ciseau et pas un burin qu'ils arrivent à tracer des empattements sur leurs lettres. Le calame sur papier ou sur le papyrus va donner une écriture cursive, la plume sur papier ou sur papyrus va renforcer cette impression d'écriture cursive, et donc on va avoir toute une série d'évolutions techniques. Enfin, on va avoir des évolutions en fonction des tendances culturelles. La création des polices humanistes, et dès leur invention, on les a appelées des polices humanistes. Pourquoi ? Parce qu'on est à la Renaissance, on est à la fin 15e, à la fin du 15e siècle, début du 16e siècle. C'est la période de la Renaissance en Europe, et c'est la période des idées humanistes. L'humanisme, c'est quoi ? Ben, c'est remettre l'homme au centre de la création, remettre l'homme au centre des préoccupations intellectuelles. Et donc, on ne va plus écrire avec des polices gothiques textura, qui sont certes des polices très ouvragées et très typées et très élégantes d'une certaine manière, mais qui sont franchement impossibles à lire. Quand on invente les humanes, l'idée c'est que ce soit plus simple à lire. Au-delà du fait que la graphie des gothiques textura ne nous parle plus, l'idée derrière la gothique textura, c'est d'avoir un enchaînement de caractères qui sont très identiques les uns aux autres. Vous vous souvenez, on avait des très gros fûts courts qui sont alignés les uns derrière les autres, on a vraiment l'impression d'avoir une série de tâches. Et les caractères, enfin les caractéristiques anatomiques qui permettent de distinguer les lettres les unes des autres, ben ils sont très peu visibles sur les gothiques textura. Donc c'est une police qui est difficile à lire, même à l'époque, même quand on n'utilise que ça. La police humaniste, ben, on va donner plus d'importance aux différences entre les lettres, et donc on va rendre l'alphabet plus facile à lire. C'est donc une police humaniste. Après, ça va se perfectionner, évidemment. Donc on en est arrivé au moment où la mécanisation et les progrès techniques vont permettre de se concentrer sur la forme des lettres avec plus de précision. Le passage des humanes au Garald va aller dans ce sens-là. Je vous ai remis ici du Janson et du Garamond. Et donc le passage de l'un à l'autre est assez typique du passage des humanes au Garald. Donc, Janson, humane très typique. Donc, c'est un dessin moderne, certes, mais il est grossier. On a des gros empattements, on a peu de contraste entre plein et délié, on a un A qui est fort typé, on a un axe des graisses qui est très en oblique, alors qu'à côté, le Garald a un dessin beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, avec un axe des graisses qui se redresse. Là, je n'ai pas noté le E, mais le E, on a une barre qui est une traverse qui est en oblique sur l'humane, on ne l'aura plus sur la Garald. En anglais, vous verrez dans le livre qu'il y a une note sur la classification anglo-saxonne, que je ne vous demande pas de connaître, mais c'est utile quand même d'avoir des notions de classification anglo-saxonne, parce que souvent en infographie, on va avoir l'influence des anglo-saxons dans ce qu'on fait, notamment dans les logiciels. En anglais, les humanes, on les appelle Venetian, donc vénitiennes. Et les Garald, on va les appeler des Aldines. Donc on oublie Garamond. Okay, je ne sais pas pourquoi les Anglais semblent obsédés par l'Italie dans leur classement des lettres. Donc vénitienne ou aldine. Mais en réalité, dans la classification anglo-saxonne, ces deux familles sont des sous-familles. En réalité, les anglo-saxons distinguent assez peu entre humane et Garald. Ils regroupent ça dans une famille qu'ils appellent Old Style. C'est un peu à l'emporte-pièce, mais
C'est les vieux caractères, caractères old style. Alors, je vous ai montré d'autres choses. Hein. Regardez ici avec le A. Donc, trois caractéristiques essentielles sur le passage du A Janson au A Garamond. Donc, d'abord, regardez les empattements. Les empattements sur le A de droite ne sont pas des empattements hyper fins, ils ne sont pas pointus, rien du tout, mais par contre, ils sont beaucoup plus fins que sur une humane. Sur une humane, on a des empattements qui sont presque triangulaires. D'accord ? Ils sont massifs. Ils ne sont pas affinés dans le bas, ils sont vraiment juste un élargissement du flux de la lettre. Par ailleurs, regardez la finesse des traits. On a un plein qui est à peu près le même de part et d'autre, mais le délié, donc le trait fin, est beaucoup plus fin sur la garalde. Et enfin, regardez le sommet du A, on appelle ça l'apex. L'apex qui est vraiment dessiné sur la garalde, qui est conçu comme la rencontre de deux traits, alors que sur l'humane, oui, bon, bah, c'est là que ça se rejoint, puis point barre, on n'en fait pas un fromage, il n'y a pas de dessin particulier. Mais vous voyez que l'extrémité, l'apex du A sur la garalde, il est un petit peu creusé, un peu comme si c'était un empattement. On voit bien qu'il essaye d'harmoniser la forme de deux traits qui sont différents. Regardez les empattements en plus près, en plus proche, presque triangulaires sur l'humane. La garalde, ben, ils sont beaucoup plus fins. Ils restent un peu arrondis sur le bout, ils ne restent pas très dessinés. Vous allez voir qu'on aura des choses beaucoup plus géométriques par la suite, mais l'empattement est plus fin. La graisse du haut et l'axe des graisses du haut. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien. Vous voyez ici l'axe, très en oblique. Et l'axe ici, sur la garalde, il est vertical ou quasi vertical. Le E, je vous en ai déjà parlé, il devient plus horizontal. Le A est nettement moins rustique, il est moins carré, il n'est pas creusé sur le dessus. Le crochet du dessus devient beaucoup plus fin. Et donc, on a des caractères, en fait, qui deviennent plus rationnels, plus faciles à lire. Donc, le but du jeu est moins de faire quelque chose d'esthétique et plus de faire quelque chose à lire. Alors, cette volonté-là de faire quelque chose de rationnel et de simple va s'affirmer de plus en plus. Et la technique, évidemment, va aussi se perfectionner et va de plus en plus permettre de faire des choses plus fines aussi. À la fin de la Renaissance, les artistes vont puiser leur inspiration dans plein de domaines, comme l'architecture et la science. Et on va avoir un mouvement qui va être vraiment un mouvement typographique empreint de géométrie. Garamond, en fait, il a été imprimeur du roi. Il était l'apprenti de Geoffrey Torry. Geoffrey Torry était imprimeur du roi de France. Et lui-même, en fait, a fait une étude qui va proposer des caractères en fonction de proportions rationnelles, notamment de proportions utilisées dans l'architecture romaine. Il va revenir à des choses qui ont été imaginées, notamment par Vitruve. Vous vous souvenez, lundi, je vous ai parlé du nombre d'or et de l'homme de Vitruve. Vous voyez qu'ici, on va avoir un dessin des caractères qui reprend un peu les formes de l'homme de Vitruve, et puis surtout, qui est dessiné sur un quadrillage. Donc on va réfléchir aux proportions, non plus en fonction de la tradition, mais vraiment en fonction de calculs mathématiques. Et donc, Geoffrey Torry, eh ben, il va écrire un bouquin où il va décrire ses lettres et il va en faire des dessins quadrillés et il va les dessiner à ce moment-là au compas, à l'équerre et à la règle. Avant ça, Garamond, Janson, Aldemanucci et les autres, pas du tout. Ils ne dessinaient pas. Enfin oui, si, ils pouvaient éventuellement s'aider d'une règle pour tracer des caractères, mais ils n'ont jamais commencé à mesurer et à faire des calculs rationnels sur la proportion des caractères. Geoffrey Torry, oui. Il va dessiner un carré, il va le diviser en 8 cases, horizontalement et verticalement, et puis il va commencer à dessiner, et à se dire que si on veut avoir une largeur rationnelle, ben on ne va pas faire une case et demie, on va faire une case ou deux cases. Et il va réfléchir en fonction de ça. Et le caractère qui va être utilisé, qui deviendra, au XVIIIe siècle, le caractère officiel du roi de France, ben on l'appellera le romain du roi. Le romain du roi, ben voilà un exemple de caractère. Donc vous voyez que c'est sur une grille de 8 sur 8. La grille de 8 sur 8, c'est un échiquier. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Mais elle est dessinée, donc le caractère est dessiné par rapport à cette grille. Alors on a tout un système de proportions savant. Ici, vous avez des choses qui tombent entre les cases, mais je vous assure que si vous lisez le bouquin, vous allez voir qu'il y a vraiment une réflexion mathématique qui est complète derrière ça. C'est Philippe Grandjean, conservateur et graveur à la fonderie royale
du roi de France, on est au XVIIIe siècle, hein, donc on est à l'époque de Louis XIV, Louis XV. Et le projet original du Romain du Roi va être très géométrique. Grandjean va l'interpréter, lui, à son idée, donc il va faire un caractère qui est un peu éloigné de ça, mais n'empêche que le Romain du Roi, son projet par rapport au Garamond, va être beaucoup plus fin et beaucoup plus géométrique. Alors, beaucoup plus fin et beaucoup plus géométrique, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, on va avoir des empattements qui seront plus fins, parce qu'ils sont dessinés au compas, et qui seront vraiment creusés, et qu'on va arriver à la finesse la plus fine possible pour un empattement en fonction des techniques d'imprimerie. Deuxième chose, ils vont être très géométriques. Troisième chose, on va avoir des caractères qui se ressemblent. Parce que le L minuscule et le I capital, ben, c'est la même lettre. Donc, quand on se détache de la calligraphie pour aller vers quelque chose de plus géométrique, on va revenir un peu dans les travers des fractures, c'est-à-dire qu'on va avoir des lettres qui vont finir parfois par se ressembler un peu toutes, par être tellement régulières et tellement uniformes, que parfois ça va être un petit peu difficile à lire. Alors du coup, en fait, si pour un L minuscule, qui est une lettre haute, et un I capital à droite, qui est une lettre haute aussi, on a une forme qui est exactement la même, y compris les empattements, eh ben, on va mettre une sécante sur le L bas de casse. Vous voyez qu'à gauche, le petit ergot, là, la petite épine qu'on voit au milieu de la lettre, ça s'appelle une sécante, et c'est ce qui permet de distinguer le L bas de casse du I capital. En fait, c'est surtout utile, à la lecture, on peut encore déduire la lettre du contexte, mais c'est surtout utile quand on démonte les casses, les composteurs, et qu'on reclasse les poinçons dans la casse, ben, si on met les L avec les I, on ne s'en sort plus. Donc il faut qu'on ait vraiment un système pratique pour les identifier. Ce petit trait-là va devenir distinctif des imprimés de l'État français, et donc le Grandjean, la police Grandjean, le Romain du Roi, mais un petit peu redessiné à la mode de Grandjean, était censé servir, je cite, « au plus magnifique ouvrage qui ait jamais paru ». C'est lui. Les médailles sur les principaux règnes du règne, sur les principaux événements du règne de Louis le Grand, Louis XIV, évidemment, avec des explications historiques, s'il vous plaît. Attention, ça ne déconne pas. Donc, voilà, on est en 1739, 49, si je ne m'abuse. Ah non, 1702. En 1702, donc cet ouvrage absolument capital, que vous connaissez tous par cœur, j'imagine, hein, tellement il a survécu à l'histoire, a été imprimé avec le caractère de Grandjean. C'est un nouveau caractère, et l'émergence de ce caractère, en fait, va marquer le début de ce qu'on a appelé la famille des réals. Réal, pourquoi ? Parce que réaliste. Et réalistes en fonction du fait qu'elles sont dessinées de manière géométrique, de manière rationnelle, sur une grille. Le projet est un peu moins humaniste que celui des Humanes et des Garals. On a quelque chose qui est un peu plus mécanique, et on prend un peu plus de distance avec les lettres manuscrites ou calligraphiées. Pour les Américains, Garald et Human, enfin pour les Anglo-Saxons en général, Garald et Human, ce sera Old Style. Les réals, ce sera transitional, donc transitionnel, avant d'arriver à modern style pour la suite. Les réals, elles se caractérisent par quoi ? Ben, elles se caractérisent par un dessin qui est très géométrique, par une finesse qui est accrue par rapport au Garald, par des traverses et des contrastes de graisse qui vont être verticaux ou horizontaux. On ne va plus accepter les obliques, on va vraiment s'éloigner de la graphie manuscrite. Et alors vous avez des grands noms de la typographie, puisque la volonté des Français était de renouveler le caractère de Garamond, qui était partout à l'époque, hein, puisque c'est un caractère qui est très, très versatile et qui était très, très utilisé. Et surtout, la volonté des Français avec le Romain du Roi, c'était d'arriver à la même qualité d'écriture que ce qui se passait aux Pays-Bas et en Angleterre. Pourquoi aux Pays-Bas et en Angleterre ? Parce que la Renaissance, c'est aussi le moment de la réforme et des guerres de religion, etc., etc. Et à un moment donné, on va avoir un schisme en Occident entre l'Église catholique romaine, qui est l'Église catholique que nous connaissons aujourd'hui,
et l'Église protestante, l'Église de la Réforme, dont il va y avoir plusieurs variantes, mais notamment le protestantisme aux Pays-Bas, nous faisons partie des Pays-Bas à ce moment-là, et l'anglicanisme en Angleterre, qui sont des variantes de l'Église catholique, mais pour ces pays-là. Or, ce qui se passe, c'est que l'Église catholique est assez peu tolérante sur le point des idées, alors que les protestants sont beaucoup plus tolérants sur le point de vue des idées. Et donc la diffusion de nouvelles idées politiques, de nouvelles théories économiques, de contestation des régimes politiques en place, va être beaucoup plus facile à faire en Angleterre et aux Pays-Bas qu'en France. Ce qui veut dire que l'imprimerie aux Pays-Bas et en Angleterre va avoir de bonnes raisons pour se développer plus vite qu'en France. Donc ils vont prendre un petit peu d'avance. Romain Duroy, finalement, c'était un petit peu le... C'était un petit peu une tentative de faire revenir des imprimés en France. Il y avait une décision un peu commerciale derrière, quelque part. Alors, en Angleterre, on a un monsieur très intéressant qui s'appelle William Caslon. William Caslon va dessiner des polices de caractère. La première police qu'on lui connaît date de 1734 et s'imprimait justement des caractères qui étaient en usage dans les imprimeries anglaises à ce moment-là. Les imprimeurs anglais se fournissaient en Hollande, et comme pour tous les caractères destinés à la technique du plomb, Caslon, en fait, va tenir compte de l'engraissement de la lettre lors de son impression. Ça veut dire quoi, l'engraissement de la lettre? Ça veut dire que quand vous dessinez un poinçon avec une certaine finesse de trait, que vous l'ancrez et que vous l'appuyez sur du papier, le fait de l'appuyer sur le papier va créer une dépression et va faire que le papier va un peu entourer le poinçon. Et en faisant ça, ben le papier va prendre plus d'encre que la largeur du poinçon. Ce qui veut dire que vous allez avoir des traits qui vont devenir plus gras quand ils sont imprimés que ce qu'ils sont réellement sur le poinçon. Donc on doit tenir compte de ça. Si on veut obtenir une certaine graisse à l'impression, on doit savoir que la largeur du fût va augmenter de, je sais pas, 5, 10, 20%, et donc on doit en tenir compte et graver le caractère plus fin pour être sûr que quand on l'imprime, il ne soit pas trop gras. D'accord ? Caslon le fait, et donc on va avoir des caractères qui seront extrêmement bien pensés en fonction des moyens techniques de l'époque et qui vont permettre, dès lors qu'on va avoir des papiers qui seront plus fins, qui engraisseront moins, avec des polices telles que le Caslon, on va pouvoir dessiner des caractères qui seront plus fins. Donc la manière pour les anglo-saxons d'arriver au réal, ce ne sera pas une démarche géométrique comme avec le Romain Duroy, ce sera plus une démarche rationnelle par rapport aux contraintes mécaniques qui vont amener quelque chose de plus fin. Les papiers, en fait, vont devenir ce qu'on appelle des papiers mécaniques, qui seront plus secs, qui seront plus fins, qui seront plus écrasés, qui seront moins perméables, et donc on va pouvoir imprimer de manière plus légère avec ça. Caslon est le premier à le faire, mais John Baskerville va aussi faire des recherches. Alors John Baskerville est un monsieur intéressant, il est imprimeur, mais il va également produire lui-même ses papiers et ses encres. Au départ, il n'est pas imprimeur, Baskerville, il est calligraphe, et puis il va perfectionner tous les moyens d'imprimerie qui ne correspondent pas à ses exigences de qualité en matière de finesse d'écriture. Donc il va produire des encres d'impression qui seront plus noires que les encres qui existent, qui seront plus dures et donc qui vont permettre une impression plus fine. Il va perfectionner les techniques de fabrication de papier pour obtenir du papier qui sera plus dur, qui sera mieux imprimable. Il va travailler sur des nouvelles polices de caractère. Et donc il va, pour l'époque, faire améliorer, mais multiplier par deux, la qualité d'impression et la finesse d'impression des caractères sur papier. Il va notamment inventer un procédé qui s'appelle le couchage. On en parlera en fin de cours, je vous parlerai de fabrication du papier. Et le couchage du papier, c'est un procédé qui permet de rajouter des substances à la surface du papier pour améliorer son imprimabilité. Il va inventer le couchage et aussi il va inventer le calandrage. Le calandrage, c'est le procédé qui consiste à écraser le papier en le chauffant, ce qui lui donne des propriétés physiques qui sont intéressantes. Les éditions de Baskerville étaient si renommées et si parfaites qu'elles étaient mais des kilomètres devant les autres. C'était un travail qui était absolument époustouflant. Si vous regardez des impressions réalisées par Baskerville aujourd'hui, bah, vous avez grosso modo la qualité d'une imprimerie moderne. Il a vraiment fait un bond géant en matière de qualité.
Et pourtant, c'est assez bizarre, mais son travail n'a pas été reconnu. On est au XVIIIe siècle en Angleterre, et grosso modo, il n'était pas tellement connu et pas tellement reconnu en Angleterre, où on continuait à imprimer avec les caractères de Caslon, qui sont donc un peu plus antiques, qui sont quelque part entre les Garald et les Réal. Par contre, on va retrouver dans ces caractères l'influence de la calligraphie anglaise de la même époque, donc du XVIIIe siècle. Et ce qui caractérise ces caractères, c'est la subtilité des détails, la subtilité des contrastes et la finesse du dessin. Le caractère Baskerville, moi personnellement, c'est un de mes caractères préférés. C'est une réale qui est très typique. Si vous devez citer deux réales, vous citez Times et Baskerville, l'affaire est faite, vous avez tout. C'est un caractère qui est très droit, qui est très lisible, il est bien ouvert. Vous voyez ici sur le texte, même si c'est pas très petit, mais on voit bien que le caractère est très ouvert et très lisible. Les approches sont d'une qualité extrême, c'est vraiment calculé au plus fin. Et vous voyez aussi, on le voit même là, que les empattements sont beaucoup plus fins que ce qu'on avait avec des Garald. Les Garald, c'était déjà un peu affiné par rapport aux Ubal. Les Ubal, c'est pied d'éléphant. Mais ici, on est vraiment dans quelque chose de très fin. Et on est dans quelque chose de très fin, notamment parce que c'est vraiment dessiné au compas. Donc c'est réfléchi en fonction des caractéristiques physiques du papier et de l'encre. Baskerville, c'est une police qu'on voit encore aujourd'hui. Notamment, on le voit sur les couvertures des livres folio, qui sont composés en Baskerville. L'intérieur n'est pas en Baskerville. Ça, c'est la version monotype, qui est une fonderie de caractères très célèbre. Baskerville de monotype, qui est utilisé pour tous les folios. Lorsque vous allez recevoir ce magnifique livre d'histoire de l'art d'Ernest Gombrich, ben vous verrez que la couverture et le nom de l'éditeur sont composés également en Baskerville, mais en capitale. Baskerville, c'est vraiment... Alors, Baskerville, dans le monde anglo-saxon, on l'appelle « the king of fonts », donc le roi des... En français, on dirait la reine des polices. En français, c'est « a font », c'est masculin, donc « king of fonts ». Ses valeurs, c'est l'élégance, c'est le sérieux, c'est une police qui est vivante, qui est forte, qui est régulière, et surtout, qui est extrêmement élégante. Je vous ai mis les lettres les plus typiques là-bas. Regardez le Q capital. Le dessin de la queue du Q est absolument fabuleux. C'est quelque chose qu'on a copié dans d'autres polices ultérieures, mais qui est vraiment d'une élégance parfaite. Il n'y a rien, si vous voulez... Quand on parle d'Helvetica, par exemple, Helvetica, c'est souvent une police dont on dit... Heureusement qu'on ne doit pas la refaire en mieux, parce qu'on ne voit pas ce qu'on pourrait améliorer sur Helvetica. Elle est comme elle est, elle est comme elle doit être. Baskerville, c'est un peu pareil. Alors regardez aussi pour les empattements, regardez le A capital ici. Vous vous souvenez de l'empattement du Garamond ? L'empattement du Garamond qui était fin, mais qui était un peu arrondi. Ici, on a vraiment un empattement qui est géométrique. Il est fin, mais il y a des angles. Il a été tracé à la règle et au compas pour les courbes. Regardez aussi l'apex, donc le sommet du A capital, c'est un apex qui est dessiné, qui est géométrique, mais qui est vraiment droit. Dans Garamond, on avait un apex qui était dessiné, hein, où il y avait un souci d'élégance dans le fait de rejoindre les deux traits, qu'on n'avait pas dans les humains, où là on avait pof pof, on dessine et puis c'est terminé. Non, ici on a vraiment une réflexion géométrique, on n'a pas que des droites qui se rejoignent, on a un tout petit plat sur le dessus, mais juste suffisant pour donner vraiment l'impression que l'apex est terminé, qui n'est pas juste tracé comme ça et puis qu'on s'en fiche, mais vraiment un souci de lisibilité. Le A aussi est remarquable, avec une panse, donc une boucle qui est très ouverte, mais qui en même temps ne revient pas trop dans le crochet, donc la boucle supérieure. Remarquez aussi sur le R minuscule, vous avez une ouverture accentuée au niveau de la boucle supérieure, donc ici, vous avez le fût qui va s'écarter de la boucle. Ça, c'est un détail très important parce que c'est un détail de lisibilité. Quand le caractère est petit, notre œil va repérer les accidents du caractère, donc les angles, les ouvertures. Si on accentue un peu l'ouverture du R, eh ben, on améliore la lisibilité du caractère en petite taille. On ne va pas vraiment le voir, ce n'est pas vraiment un critère esthétique, mais par contre, c'est un critère de lisibilité. Et le G, qui est un G ouvert, vous voyez que la boucle du dessous elle est ouverte, ben il est vraiment très important. Une petite note biographique sur Baskerville, John Baskerville.
John Baskerville faisait partie de la noblesse anglaise, pas la haute noblesse, hein, c'était un petit noble. Et en fait, il est tombé éperdument amoureux de sa femme de chambre, qui s'appelait Madame Eves, mais qui était évidemment totalement roturière, et les mariages entre la noblesse et les roturiers, ça ne se fait pas, ma bonne dame. Donc il était hors de question qu'ils puissent s'afficher ensemble. En fait, John Baskerville l'aimait tellement qu'il l'a épousée en cachette. Ils ont gardé leur mariage secret, et ils ont vécu ensemble à la maison et tout ça. C'était des gens qui ne sortaient pas beaucoup, donc ça, voilà. Et alors, quand il y avait des invités qui venaient à la maison, ben, Madame Eves faisait le service comme si elle était la femme de chambre. C'est un peu bizarre. Et ils sont restés mariés pendant longtemps, et c'était vraiment un mariage d'amour pour l'époque. Et donc, en hommage à la femme de John Baskerville, une typographe du XXe siècle qui s'appelle Susanna Lico a décidé de créer un caractère qui s'appelle Mrs. Eves et qui est en fait une variante de Baskerville dans lequel l'œil des lettres est plus petit. Donc vous avez, je vais vous remettre le Baskerville ici. L'œil des lettres, c'est quoi? Ben, c'est la partie, en gros, vous pouvez regarder la hauteur des minuscules par rapport à la hauteur des lettres hautes. D'accord? Donc regardez si vous avez, je ne sais pas moi, par exemple, sur la troisième ligne, vous avez le B minuscule de bûche. Regardez la hauteur de l'œil, donc de la partie arrondie par rapport à la verticale. Et si vous voyez donc la même phrase en Mrs. Eves, on a une hauteur d'œil qui est plus petite. Et en fait, la police taille plus petit. Donc c'est grosso modo le même dessin que Baskerville, mais avec des traits un peu plus féminins, un peu plus fins, un peu plus petits. Et voilà, c'est amusant de voir le jeu entre les deux. Mrs. Eves est aussi un peu plus gras. Désolé. C'est une femme qui l'a dessiné, donc voilà. Mrs. Eves, à taille égale, a un œil un peu plus fermé. Regardez le A, il est un petit peu plus fermé. L'ouverture entre la boucle et la panse est un peu plus petite. Il est un peu plus lourd typographiquement, donc le gris typographique, on va y venir dans le chapitre prochain, est plus lourd. Ses empattements sont un peu plus grands. Et en fait, Mrs. Eves n'est pas une réale très typique. Baskerville est une réale extrêmement typique. Mais Mrs. Eves, c'est une réale, son dessin est celui d'une réale, ça c'est clair et net, mais un peu moins typique, notamment à cause du manque de contraste entre les pleins et les déliés. Et quand une police manque de contraste entre pleins et les déliés, généralement, elle a l'air un peu plus grasse, un peu plus noire. C'est le cas ici avec Mrs. Eves. Mais ça reste une réale. Alors la réale la plus connue, c'est probablement Times, hein, une police de Stanley Morrison, qui a été dessinée pour le journal du même nom au début du XXe siècle, fin 19e, début du 20e. Il y a plusieurs variantes de Times, il y a Times et Times New. Alors la police ne s'appelle pas Times New Roman, la police s'appelle Times New. Maintenant, vous pouvez dire Times New Roman parce que dans tous les ordis, elle s'appelle comme ça, mais Times New Roman italique, ça ne veut rien dire. C'est Times New en version italique. Donc ici, Times New Roman, il n'y a pas énormément de différence entre Times et Times New Roman. Je vous ai noté des différences ici, mais je ne vous interrogerai pas particulièrement dessus. Mais si vous regardez, par exemple, les empattements du S, ils sont verticaux dans le New Roman, ils sont un peu obliques dans le traditionnel. L'empattement du A minuscule est différent aussi. Le New Roman est un peu plus fermé, sur le E notamment. L'empattement supérieur du B est différent. Enfin voilà, il y a des petites différences. Mais bon, rien de vraiment dramatique. Je vous en ai noté d'autres ici. Vous voyez, le P qui se referme un peu, le A qui se referme un peu, le croisement entre les jambes du K et le fût du K. Il y a un petit détail sur le 5 aussi, qui est comique. Vous avez un petit empattement qui remonte sur la traverse du 5, alors qu'il n'y a pas en Times du roman. Donc voilà. Mais Times est extrêmement connu. Hein, c'est une réale. Alors c'est une réale qui fonctionne pas très bien à l'écran. Pourtant, c'était pendant très longtemps la police, par défaut, des pages HTML dans les navigateurs web. Tout simplement parce que c'était une police qui était un peu vue comme universelle, mais en réalité, elle ne fonctionne pas super bien à l'écran.
Par contre, une police qui fonctionne pas mal du tout à l'écran, c'est Georgia. Un très beau caractère de Matthew Carter. Matthew Carter, en fait, c'est un très grand typographe. Hein. Il faudrait que je vous montre des interviews de Matthew Carter. C'est un monsieur qui a une expérience incroyable dans la typographie. Et en fait, Georgia, elle a une valeur d'aspect très importante. C'est-à-dire qu'elle a une hauteur d'œil, donc une grandeur. La partie basse des lettres hautes et les minuscules sont très hautes par rapport à la taille totale de la police. Donc les ascendantes et les descendantes, en gros, sont plus petites par rapport à la hauteur de la police. Ça lui permet d'être extrêmement lisible en petits caractères et aussi dans de mauvaises conditions. Alors Matthew Carter, en fait, c'est un créateur de police qui a créé pas mal de choses pour Microsoft. Il a notamment créé la police Verdana, qui est une police linéale. Et donc cette police-là, elle a été réfléchie pour l'impression, enfin pas pour l'impression, mais pour l'affichage écran. Alors comme je l'ai fait pour les humains et les Garalds, je vous repasse une petite comparaison entre les Garalds et les Réals cette fois. Donc à gauche vous avez du Garamond, à droite vous avez du Baskerville. Garamond, c'est joli, c'est fin, c'est contrasté, c'est élégant, tout ce qu'on veut. Mais les empattements sont un peu arrondis. Dans une Réale, ils ne seront plus arrondis. Ça va ? Tout va bien. Regardez aussi les fûts du M. Les fûts du M sont un petit peu courbes dans Garamond, alors qu'ils ne sont pas du tout dans Baskerville. Regardez le A, qui a un crochet marqué et dont la boucle est assez fermée dans Garamond. C'est assez indicatif des Garalds. Dans Baskerville, on a une panse du A qui est largement ouverte et qui est très lisible. Regardez aussi, avec le O minuscule, l'axe des graisses, qui est presque vertical sur Garamond, mais pas tout à fait vertical. Dans Baskerville, l'axe des graisses est vertical, strictement vertical. Et encore une fois, avec le E, dans le E de Garamond, vous avez certes une traverse horizontale, certes vous n'avez plus d'ergot, et vous avez un angle à l'extrémité droite de la traverse, mais dans Baskerville, vous avez deux angles, un angle intérieur et un angle extérieur, vous n'avez plus aucun arrondi, et la traverse est géométriquement droite, les traits sont extrêmement droits. Okay? Donc ce côté géométrique, c'est quelque chose qu'on voit très fort quand on compare les deux. Alors, on remarque aussi qu'il y a une augmentation du contraste entre plein et délié. Quand on augmente le contraste entre plein et délié, on a généralement une finesse perçue plus grande du caractère. Donc si vous mettez une Garalde et une Réale côte à côte, généralement vous aurez une impression de plus grande finesse, de plus grande légèreté avec la Réale. Le dessin des empattements va aussi être beaucoup plus rationnel. À droite vous avez Garamond, à gauche vous avez Baskerville. Vous voyez que c'est pas très très différent, hein. Vous avez un empattement qui est fin. Entre les humanes et les Garalds, la différence des empattements, c'était leur finesse. Les humanes, elles n'ont pas des empattements fins. C'est des pattes d'éléphant. Ici, vous avez des empattements qui sont fins tous les deux, mais sauf que d'un côté, ils sont géométriques, il y a des angles, c'est tracé au compas à la règle, alors qu'à droite, c'est tracé certes finement, mais à la main. On a des arrondis, on a des choses qui ne sont pas extrêmement régulières. Dans une Réale, on ne le voit pas très très bien aussi, mais enfin quoi que, si. Dans la Garalde, l'empattement est souvent creusé sur sa face inférieure. Dans une Réale, jamais. Donc, si vous voyez un empattement qui est creusé en dessous, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est en tout cas pas une Réale. D'accord ? L'axe des graisses, je vous en ai parlé. Baskerville à gauche. Garamond à droite. C'est presque vertical. Une humaine se serait carrément penchée. Et donc ici, c'est presque vertical, mais pas tout à fait, presque. Et alors, dans le E, on a aussi plus de finesse, il est beaucoup plus régulier, l'axe des graisses est beaucoup plus vertical, il y a beaucoup plus d'angles, le A va s'ouvrir, la panse du A s'ouvre, l'œil est plus clair, ça augmente la lisibilité. Et alors, Baskerville, en fait, est une police qui comporte un très grand nombre de ligatures et de caractères spéciaux, je pense qu'il y a 4 ou 5 versions différentes de l'Esperluette dans Baskerville, qui sont toutes magnifiques. Baskerville est la police la plus utilisée, par exemple, pour les faire-part de mariage.
L'esperluette de Baskerville, absolument super classe. Alors les réals vont être aussi utilisés grâce à leur bonne lisibilité, notamment à l'écran. Elles vont être utilisées pour des usages qui ne sont pas des usages d'imprimerie, notamment pour des génériques de cinéma ou de télévision. Je vous passe un générique qui est probablement le meilleur générique de toutes les séries de tous les temps, et la série n'est pas loin d'être une des meilleures de tous les temps aussi. Six Feet Under, donc, c'est une série de Alan Ball qui est exceptionnelle. Hein. Si vous ne l'avez jamais vue, il faut la regarder. Je vous passe le générique. Pourquoi ? D'abord parce que c'est fait de manière assez extraordinaire. Il faut savoir que c'est fait à une époque où il n'y a pas... Enfin, les ordinateurs, c'est des Pentium, quoi. Hein. C'est fait par ordinateur, mais c'est vraiment artisanal et archaïque. Et donc, les effets de diffusion sous forme de particules, etc., ça n'existait pas à l'époque. Donc, ça a été créé à la main. Et c'est assez exceptionnel. La police, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est du Times New Roman, avec un petit effet d'approche entre le U et le N, qui se recouvrent. Mais voilà, on va retrouver souvent des réals à l'écran, parce que ce sont des polices qui sont beaucoup plus lisibles que les Garald. Ah oui, là j'ai un making-of, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais il y a un making-of dont je peux vous donner l'URL, je crois qu'elle est dans mon centre de ressources. Mais voilà. On est en 2002, hein. Donc créer un système de particules avec une désintégration de caractère en 2002, ça fait 15 ans, hein, quand même. C'est autre chose. Bien, alors, à la fin du 18e siècle et au début du 19e, on va rencontrer une radicalisation dans les techniques d'imprimerie. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'on arrive à une époque dans l'histoire qui est la révolution industrielle. La révolution industrielle va changer énormément de choses à notre manière de concevoir les objets et aussi les livres. On va, à la suite de Baskerville, continuer à améliorer les techniques d'imprimerie, notamment la fabrication de papier. Le papier étant plus fin, on va pouvoir utiliser des impressions plus fines, plus subtiles, des encres qui vont sécher plus rapidement, donc vont moins baver sur le papier et moins être sujettes à ce qu'on appelle le maculage. Le maculage, c'est quoi ? C'est quand vous imprimez plusieurs feuilles, si la feuille 1 tombe, n'a pas le temps de vraiment sécher, il y a une deuxième feuille qui tombe dessus, ben, le poids de la feuille du dessus va étaler l'encre sur celle du dessous, et en plus, ça va se reporter sur le verso de la feuille du dessus. Donc c'est un peu, voilà. Les encres vont s'améliorer de ce point de vue-là. Les techniques de fonderie aussi vont s'améliorer, donc on arrivera aussi à faire des caractères métalliques plus fins. Et donc les fondeurs vont prolonger ce courant géométrique de création de caractères qui était celui de Réal, pour arriver à des caractères qui sont de plus en plus éloignés de la forme de la lettre manuscrite. Alors pour les anglo-saxons, on va arriver dans ce qu'on appelle le modern style, et pour la classification vox atypi,
vous lirez à propos de la classification Vox Atypi dans le livre, mais c'est la classification que j'utilise ici. La classification Vox Atypi va utiliser le terme didone pour parler de ces polices. Didone, pourquoi? Parce que deux grands noms, Dido et Bodoni. Alors Bodoni, Gian Battista Bodoni, qui est un imprimeur italien, qui va être un des premiers à profiter de manière très très large des progrès techniques de l'imprimerie pendant la révolution industrielle. C'est un grand admirateur de Baskerville, et il va écrire un manuel de typographie, et son manuel est en soi déjà une démonstration typographique. Il va créer un nouveau caractère pour imprimer son manuel, qu'on va appeler le caractère Bodoni. Hein. Lui, toujours, ne lui donne pas de nom, mais aujourd'hui, on appelle ce caractère Bodoni. Et non seulement son bouquin est super intéressant, plein d'informations utiles, mais en plus, il est très très beau. Ça s'appelle Manuale Tipografico. Bodoni va exposer quatre principes ou qualités qui constituent la beauté d'une famille de caractères d'imprimerie, et il va l'illustrer par ses propres caractères. La première qualité d'un caractère d'imprimerie, c'est la régularité du dessin. La régularité du dessin, c'est une propriété géométrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre que nombre de caractères d'un alphabet ont des caractéristiques communes. Prenez par exemple un B minuscule ou un D minuscule en caractère d'imprimerie. Ben, c'est la même lettre. Si vous la retournez horizontalement, le B devient un D et inversement. Si vous la retournez verticalement, vous avez un P ou un Q. C'est la même lettre. Il y a des petits ajustements à faire, mais il y a plein de caractéristiques communes. Donc, quand vous dessinez une police de caractères, son uniformité, la régularité du dessin, viendra du fait que vous allez réutiliser le plus possible des éléments génériques pour composer les caractères. C'est la base du dessin de police moderne. Si vous faites un stage de typographie, la première chose qu'on va vous faire faire, c'est dire dessiner un O, à partir du O, dessiner un P, à partir du P, dessiner un B, un D, un Q. C'est comme ça que ça marche. La deuxième caractéristique la plus importante, c'est l'élégance. L'élégance et la pureté. En fait, ça, c'est une qualité qui n'est pas géométrique, qui est une qualité technique de production. Ça veut dire que il faut essayer d'obtenir des caractères les plus fins possibles en utilisant les techniques de fonderie les plus fines possibles. Éviter les défauts techniques sur une police, parce que tout défaut technique va nuire à la lisibilité et à la beauté. En partant de ces deux caractéristiques-là, Bodoni, en fait, ce qu'il va faire, c'est publier cette police, qui s'appelle donc Bodoni. Il faut que je vérifie un truc. Où il va pouvoir illustrer son troisième principe, qui sera le bon goût. Alors le bon goût, c'est très subjectif, évidemment. L'idée, c'est que le typographe doit rester fidèle à la simplicité et ne jamais oublier la dette du passé. Ça, c'est la définition de Bodoni du bon goût. Toujours se souvenir de l'histoire. Ne pas chercher à réinventer des caractères, ne pas chercher à modifier la forme des lettres si la forme des lettres existe. Et enfin, la quatrième qualité, c'est le charme. Difficile à définir, mais voilà le charme selon Bodoni. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces lettres qui est absolument caractéristique? Ben, c'est deux choses. D'abord, les empattements. Vous avez vu que les empattements chez Baskerville, par exemple, étaient des empattements relativement fins. Regardez ici la finesse, on n'a plus qu'une fine ligne. Comment Bodoni a-t-il dessiner son empattement, ben, il n'a pas essayé de le raccorder au fût, il n'y a pas d'arrondi, il n'y a rien, il y a juste un trait le plus fin possible. Bodoni dit dans son bouquin que les lettres doivent donner l'impression d'avoir écrites ni avec nonchalance, ni avec rapidité, mais avec beaucoup de calme, comme un acte d'amour. Il est italien, le garçon. Et donc, effectivement, on a ici un caractère qui est d'une grande finesse à cause des empattements, mais aussi, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, des contrastes entre pleins et déliés. Plus on a de contrastes entre les pleins et les déliés, plus on aura une impression de finesse et de légèreté dans le caractère. Eh bien, avec Bodoni, on a le contraste le plus extrême possible.
On a un contraste qui est extrêmement important, avec des déliés qui sont très très fins et des pleins qui sont très très épais. Le Bodoni de Adobe est dessiné par Maurice Fuller Benton, encore un grand nom de l'imprimerie. Idéalement, dans ce syllabus, en fait, un jour, à la fin, au lieu d'avoir... j'ai pris les pages jusqu'au bout. Au lieu d'avoir une liste de typographes, comme je l'ai fait pour l'instant, idéalement, vous aurez une série de fiches biographiques sur les typographes. Un jour, j'aurai le temps d'écrire ça, mais pas là, donc je ne l'ai pas. Mais Maurice Fuller Benton, au moins, vous aurez entendu ce nom-là. Bodoni, en fait, est aussi célèbre parce qu'elle possède une variante qui s'appelle Bodoni Poster. Bodoni Poster, en fait, les caractères sont moins géométriques, ils sont plus ouvragés, plus arrondis, et ils ont une graisse encore plus importante que les caractères classiques, donc un contraste entre plein et délié qui devient vraiment extrême. Et en fait, le nom le dit, cette police, elle n'est pas écrite pour être lisible, enfin, elle n'est pas dessinée plutôt pour être lisible, elle est dessinée pour être utilisée sur des affiches, pour être extrêmement visible. Alors encore une fois, j'y reviendrai, hein, mais lisibilité, visibilité. Une police qui réutilise les formes du passé, une police qui est dessinée rationnellement, c'est une police qui est lisible. Et une police qui est visible, c'est une police qui va faire l'attraction, qui va être spectaculaire, qui va attirer l'œil. Et là, effectivement, le Bodoni Poster, ben, il est très peu lisible, mais il est très visible, par contre. Le Bodoni, c'est une police qu'on va rencontrer dans plein de domaines, et en particulier des domaines qui sont liés au luxe, au beau et au précieux. On va retrouver du Bodoni sur des affiches de cinéma, mais pas seulement. On va avoir plein de logos de marques de luxe. Calvin Klein, ben, c'est en Bodoni, en partie en tout cas, c'est en Bodoni et en Futura. Guerlain, Armani, Elisabeth Arden, tout ça, c'est des logos qui sont faits en Bodoni. Vous allez avoir des pochettes, des couvertures de magazines comme Elle ou Vogue, qui sont également en Bodoni. On peut avoir des jeux typographiques aussi, ici sur la ville de New York. On va utiliser la largeur du fût. Bon, évidemment, ici, c'est redessiné et modifié. Voilà des pochettes de Elle et de Vogue. Donc, vous voyez que c'est des polices qui passent dans l'imaginaire collectif maintenant. Alors, évidemment, le projet de la lettre renvoie à l'élégance et au bon goût. C'est pour ça qu'elles sont utilisées dans les logos des magazines. Mais maintenant, comme elles sont utilisées dans les logos des magazines, ça renforce cette image de luxe et de bon goût, donc les deux vont ensemble, naturellement. Alors, dans les Didone, il n'y a pas que Bodoni, il y a Firmin Didot aussi, qui lui est français, issu d'une très grande famille d'imprimeurs, qui va suivre la même démarche que Bodoni, c'est-à-dire proposer un caractère qui soit très très fin, qui soit très élégant, qui soit de bon goût, avec un très grand contraste entre plein et délié, mais lui, en fait, va le faire pour des textes classiques. Et donc, il va publier à Paris, au XIXe siècle, des ouvrages comme par exemple Racine ou Don Quichotte republié en français. Et il va dessiner une police qui s'appelle Didot, que nous appelons aujourd'hui Didot. Si on les compare en fait, donc vous avez Didot ici, Bodoni ici, le Didot chasse un peu plus large et il a un contraste entre plein et délié qui est encore un peu plus fort que Bodoni. Ce contraste extrême entre plein et délié, notamment, fait que les Didone sont très mal adaptés à la lecture sur écran, et en général à la lecture en petits caractères. Alors, deux autres typographes, Adrienne Frottiger et Jonathan Hofler, en ont proposé des versions qui sont un petit peu plus adaptées aux contraintes modernes, donc en réduisant un peu les contrastes entre plein et délié, mais c'est des variantes qui sont moins pures. Dans le projet de Bodoni et le projet de Didot, il y a justement cherché le plus grand contraste possible entre les pleins et les déliés. Voilà. Donc, si on les élimine, c'est un petit peu bizarre. Alors, je vous montre le Bodoni de Adobe, dessiné par Maurice Fuller Benton. Le Didot de Hofler, qui est un peu moins contrasté, un peu plus adapté à la lecture écran, mais pas beaucoup, ça reste quand même très compliqué. Si vous faites des sites web, utiliser une Didone, c'est toujours une mauvaise idée, sauf si c'est en très grand pour un titre, mais à part ça, voilà. Le Didot de Frottiger.
des exemples de Dido, par Firmin Didot. Alors, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'élégance de ces polices, donc des didones, c'est difficile de la nier, hein, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser pour son côté esthétique, pour son côté luxe. Mais il est clair qu'aujourd'hui, si à l'époque on a pu encore composer des livres en didot, aujourd'hui faire ça, c'est vraiment se moquer du monde. La lisibilité des didones est très réduite par rapport aux autres polices à empattement, en particulier par rapport au réal. Okay? Donc, si on doit faire des tests de lisibilité, on va probablement être en général un peu en retrait, voire beaucoup en retrait par rapport à des réals. La notion de test de lisibilité est très importante. Quand vous avez une police d'écriture, que vous souhaitez la tester, en fait, vous ne pouvez pas la tester par rapport à votre impression. Il y a des tests objectifs de lisibilité qui existent. Comment ça se passe, les tests de lisibilité ? Eh bien, vous imprimez un texte, vous le donnez à lire à 100 personnes, vous chronométrez et vous posez des questions de compréhension. Et ensuite, vous faites des statistiques. Et vous faites ça avec 100 personnes, et vous le faites avec plusieurs polices, et vous le recommencez au fur et à mesure du temps. Et là, vous avez une idée de l'indice de lisibilité. Okay ? Mais votre impression de lisibilité à vous par rapport à une police ne veut mais strictement rien dire. Si vous, vous adorez lire les didones, mais tant mieux pour vous, c'est super. Mais sachez que les indices de lisibilité des didones sont généralement très inférieurs au reste des polices. Voilà. Donc, les didones, je vous en passe encore quelques exemples pour conclure. Vous trouvez ça surtout sur des magazines donc de luxe. Vous trouvez ça aussi pour certains... certains feuilletons, Desperate Housewives, ben voilà, le Housewives ici est en didot ou en bodoni, c'est difficile à dire exactement comme ça, il faudrait regarder, mais bon. Cette arrivée des polices à l'ère moderne, donc on dit modern style en anglais, ben, va nous faire sortir un peu du domaine traditionnel des polices. Donc jusqu'ici, on a vu trois familles qui sont très traditionnelles, les humanes, un peu antique, les Garalds, qui sont toujours des formes un peu anciennes, mais très travaillées, très lisibles, très belles, et puis les Réals, qui sont des formes plus rationnelles, plus liées à la Renaissance. Ben, dès qu'on arrive dans les temps modernes, on va avoir des expérimentations plus importantes. Donc on a les didones, la semaine prochaine, on verra les mécanes, et puis on verra les polices qui seront alors sans empattement. Mais il y a vraiment une progression historique. Pourquoi est-ce que j'insiste tant sur la progression historique, parce que les caractéristiques physiques des polices, elles ont une justification historique, et parce que je vous demande de les reconnaître, donc à un moment donné, il va falloir vous interroger sur ce que vous voyez.